Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre café Endurance Info. C'est déjà le numéro 21 et on doit bien le dire, on n'avait pas prévu d'en faire un cette semaine et puis un peu à la demande générale, on a reçu pas mal de messages pour vous proposer une émission spéciale totale 24 heures de Spa. Ce sera bien sûr, comme vous en avez l'habitude, votre émission avec vos questions, vos remarques, le débat, on le mène ensemble et ça nous intéresse tout particulièrement d'avoir vos avis évidemment et dans la mesure du possible, on prend toutes vos questions, toujours évidemment, et ça c'est important, dans un cadre poli, respectueux, etc., etc. Vous connaissez la manière de fonctionner, évidemment, mais par contre, on peut parler de tous les sujets ce soir, le tout, bien évidemment, en compagnie de mon complice, Laurent Mercier. Bonsoir, Laurent. Salut, Thomas. Et dire qu'on a même plus rideau de douche pour nous séparer. Non, mais là, on a une frontière pour nous séparer. Ah, carrément, une frontière. Hein? Effectivement. Laurent, ben voilà, on se retrouve déjà ce soir pour ce qui est donc le 21e numéro du Café Endurance Info. On doit quand même bien l'avouer, Laurent, on n'avait jamais pensé qu'on en ferait autant. On avait commencé à lancer les Cafés Endurance Info lors du confinement, notamment, et lorsqu'il n'y avait pas de course. Et puis, on se retrouve, voilà, pour ce numéro 21. Ouais, on se retrouve pour ce numéro 21. C'est clair que quand on a commencé, on savait pas combien on allait en faire. Et finalement, ça marche plutôt bien. Bon, alors après, on sait pas trop comment ça va évoluer. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui coûte un peu parce que ça demande un peu de préparation, notamment avec François qui travaille la technique et qui prépare tout. Et donc, pour être totalement franc, on est plutôt à la recherche d'un partenaire titre, on peut dire, que ce soit le Café Endurance Info by quelqu'un ou by quelque chose, ou par un sponsor, en fait, qui peut être un sponsor temporaire ou un sponsor sur toute une année, sur 10 cafés. C'est plus vers ça qu'on va essayer de se diriger, parce que sinon, ça va être compliqué de continuer. Ouais, voilà. Bon, on va essayer de continuer à la mesure possible, mais c'est vrai, effectivement, si vous connaissez une société, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de sponsoriser, ça permet, vous avez vu que les cafés fonctionnent. C'est pas cher. Bien. C'est pas cher. Et si vous avez envie de participer aussi quelque part à ces cafés, effectivement, puisqu'il y a notamment les frais techniques. Et c'est vrai que notre ami François qui consacre pas mal de soirées, voilà, on voudrait pouvoir aussi le remercier de ce côté-là. Voilà, ça devait être dit, c'est fait de ce côté-là. Alors, on va parler bien sûr dans ce Café Endurance et on vous dit effectivement à votre santé, puisqu'il y en a qui parlent déjà des tasses. On va parler de différents sujets et quelque part, on a envie de commencer par vous demander. Alors, il y a Maximilien Cadieu directement qui vient. Alors, si on commençait par parler des limites de la piste, promis, ce sera le deuxième sujet. Avant cela, on aimerait savoir comment avez-vous vécu ces Total 24 heures de Spa. Bon, forcément, huis clos, hein, on a regretté. Et croyez bien, on a eu, personnellement, je ne sais pas toi, Laurent, mais moi, j'ai eu un très, très gros pincement au cœur mercredi soir en me disant habituellement, le mercredi soir, c'est la parade, c'est la réunion avec le public. On sait que vous êtes présent par centaines, voire par milliers habituellement. Dans les rues de Spa, on a l'occasion de rencontrer tous les pilotes, de faire les interviews, on boit un verre avec un, avec l'autre. Enfin, c'est une ambiance particulière qui a manqué. Les Total 24 heures de Spa, Laurent, à huis clos, c'est sûr que c'était un peu particulier. Comment est-ce que toi, tu les as vécues? Bon, un peu de la même façon que toi. C'est sûr que la parade dans le centre de Spa, ça manque. Il y a un autre truc aussi, moi, qui m'a personnellement manqué. C'est après la Super Bowl, quand les gens peuvent faire le tour de la piste, en fait. À pied, tu sais, le vendredi soir et tout, toutes les voitures sont dans la voie. Le track pour le public. Ouais, et quand toutes les voitures sont dans la voie des stands après la Super Bowl, qu'elles sont en parc fermé, que les gens peuvent approcher et pas toucher la voiture, mais approcher pour faire des photos et tout, et ça, c'est plutôt sympa. Et les voitures qui sont pas passées en Super Bowl, tu vois, t'as des équipes qui font monter les gamins dans les voitures, qui font des photos, et puis le public et les fans qui font le tour du circuit à pied en courant ou tu vois. Et ça, c'est quelque chose quand même qui manque, parce que c'est une communion avec le public et c'est ce qui était plutôt pas mal les années passées. Ouais, et c'est ce qu'on aime habituellement à Spa, notamment via la parade, justement, c'est cette combinaison avec le public qui était un peu différente. Alors, comment les avez-vous? Alors, il y en a qui nous parlent déjà de Bicolus. Je vois pas. Un sponsor, pourquoi pas WS, nous dit Christopher Buchanout. Voilà. Ah, C'est pas bête. Yvan qui nous dit le sponsor a beaucoup à gagner vu l'audience de qualité. On a Jonathan Albert qui dit ça m'intéresse. Bon, ben voilà, on mettra Jonathan en contact avec Laurent dans la foulée, pourquoi pas. Et on a même des cafés Endurance Info by Sauce Dallas. Est-ce qu'on peut avoir un sponsoring des Sauce Dallas, mon cher Laurent? Il faut demander à Maxime Soulet.
Alors, on a des Franck Aradas qui nous parle de Hyundai en wake, etc. On va rester, on va pas parler ici ni de Bugatti, j'ai vu passer également. On va pas parler du championnat du monde d'endurance, on parlera pas des 24 heures du Mans ce soir, ça sera peut-être pour un prochain café. Celui-ci, on va essayer, si vous le voulez bien, de se concentrer sur les Total 24 heures de Spa. Maximilien Cadieu qui nous dit notamment super course à suivre avec de super commentateurs. Ben, merci Maximilien, on est ravis si on a pu vous aider. Jonathan qui dit je l'ai vécu sur site, très bien, un peu froid le samedi, la nuit et pas beaucoup dormi. Je vous ai suivi en TV et en direct en sortie de pit lane. Il faut savoir que Jonathan travaille pour le circuit. On l'a vu d'ailleurs plusieurs fois à l'image, hein, je pense, et qu'il est, il s'occupe notamment du nettoyage de la piste avec les différentes brosses et autres qui étaient là, notamment au niveau du Raidion. Merci, hein, et j'en profite d'ailleurs en remerciant Jonathan, mais aussi Laurent. Je pense que c'est vraiment très très important de remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Ils sont très nombreux, les commissaires de piste, les commissaires de stand, le personnel de la logistique, les commissaires techniques, enfin bref, pour mettre en place un événement comme celui-ci, c'est énorme en termes d'organisation, le nombre de personnes nécessaires, le nombre de personnes qui sont là, les membres de la télé, les caméramens, etc. Et finalement, ça a quand même été une belle édition, malgré le huis clos, ça a été une belle édition, et Dieu sait que ça n'a pas été simple. Ouais, c'est sûr, c'est déjà de base un événement compliqué à organiser. Je pense qu'avec les conditions, la situation sanitaire actuelle, ça a été encore plus compliqué, parce qu'il fallait qu'évidemment tout le monde joue le jeu. Écoute, franchement, enfin, tu l'as vécu comme moi, hein, je pense que ça s'est quand même plutôt pas mal passé, que les consignes ont été respectées. De toute façon, je pense que si les consignes n'avaient pas été respectées, ça aurait été compliqué qu'il y ait une course. Donc, c'est sûr qu'il faut saluer le travail de tout le monde, de toute l'organisation qui a été faite, aussi de SRO qui y a cru jusqu'au bout, qui a pas lâché, et ça a pas forcément été simple. Et des équipes, des pilotes et toutes les personnes que tu as citées, les commissaires, le service de sécurité, le service médical, le service technique, enfin tout le monde. Ouais, alors on n'est pas là pour. Et Fabien de la petite brasserie pour la petite omelette dimanche matin. Ah, elle a fait du bien celle-là. Dans notre relais de 6 heures, j'avoue que le ravitaillement après 3 heures a fait du bien. On remercie Fabien aussi. Florent qui nous dit, moi je l'ai vécu avec mon Picaboo de 6 ans et demi qui a adoré. Eh bien, magnifique, super à Picaboo. Alors on est vraiment très très heureux. Jean-Marc Denis qui dit, voilà, on a rechargé ses piles et il est reparti. Je suppose qu'il parle de toi, Laurent. Évidemment, je salue Jean-Marc en l'occurrence. Maxime, une édition magique de mon côté, malgré le fait de ne pas être sur place. Yvan qui nous dit, j'ai adoré ces Total 24 heures de Spa. J'ai cru que le temps s'arrêtait quand j'entendais ces bruits de transmission de la Porsche 98, dit-elle, 98, donc sur le dernier tour. Effectivement, on pourra peut-être en reparler aussi. Je vais le noter d'ailleurs dans les sujets dont nous reparlerons ensuite. La victoire de la Porsche, chanceuse ou pas, vous pourrez nous en parler. Avec tristesse de ne pas pouvoir être sur place, mais la course était encore une fois magique, nous dit Jérôme. Emmerich, une édition qui fut super sympa, beaucoup de spectacles en piste pour les à côté. Étant commissaire au Mans, on avait effectivement un sentiment spécial sans le village, sans le public. Ça a une faveur différente et on a vu que cette ambiance manquait. Ça, on est tous d'accord, évidemment, à Spa ce week-end. Alors, je vais avoir du mal de lire tous vos commentaires, hein, mais Jordan nous dit bonsoir, merci pour vos commentaires pendant les 24 heures, toujours un régal, on en est ravis, évidemment. Je me demande pourquoi le système Lumirang n'est pas imposé en WEC. Ce système a montré sa superbe efficacité en temps pluvieux pour reconnaître les autos à l'écran lors de cette édition. On est bien d'accord, hein, Jordan, c'est vrai que dans les commentaires, ça nous aide vraiment. Alors Anthony Coppi, qui était malheureusement absent, qui aurait dû commenter notamment la nuit avec nous, nous dit, est-ce que vous n'aviez pas l'impression de ne pas vivre un événement important vu le manque d'ambiance? Perso, DTM Aspa, je l'avais ressenti ainsi, comme si ce n'était pas une course internationale avec ses grands pilotes et tout. Alors moi, personnellement, Anthony, si ce n'est l'aspect public, évidemment, dont on a parlé, notamment la parade, j'ai vraiment eu l'impression... Quand j'ai réussi à faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour, hein, on sait forcément qu'il y avait eu des annulations de rallye en Belgique le même week-end, il y avait eu des choses. Donc on a eu peur, hein, Laurent, je crois qu'on peut le dire, on a eu peur un moment de se dire est-ce que cette course va avoir lieu. Et une fois qu'on a réussi à faire abstraction de tout cet environnement et qu'on s'est plongé dans la course, en ce qui me concerne, Laurent, je pense l'avoir vécu à 100%. Bah, vu le temps qu'on a passé à l'antenne, je pense qu'on peut dire qu'on l'a vécu à 100%. Et c'est sûr qu'après, quand tu commentes la course ou même quand tu vas dans le... Alors évidemment, quand tu vas dans le paddock, c'est un peu plus facile parce que t'as personne. Donc, tous les gens que tu croises, on va pas dire que tu les connais, mais pratiquement. Donc, c'est sûr que c'est un sentiment particulier. Maintenant, quand t'es dans ta bulle et que la course, elle est partie, bah, c'est un peu comme les 24 heures du Mans. Oui, il n'y a pas de public, certes, mais après, nous, on est là pour relater une course. Et je pense qu'on se met après, c'est pas comme si on était en bord de piste et qu'on était tout seul. On se met dans la bulle et on commente la course pour justement les gens qui n'avaient pas la chance d'être sur place.
On imaginait, on a essayé de les commenter et vous êtes très nombreux à nous dire effectivement que vous avez suivi la course et que vous êtes frustré, on l'imagine évidemment aussi frustré de ne pas avoir pu être là. Bon, on rappelle et on a bien vu Laurent, quelque part, heureusement que du côté des Serrons, on avait pris la décision il y a quelques semaines de se dire ce sera huis clos, parce que si on avait voulu insister du côté des Serrons pour inviter du public, enfin pour accueillir du public, là, Laurent, je ne suis pas sûr que ça serait passé. Mmh. Quelque part, c'est passé parce qu'il y avait tout un protocole qui était mis en place, notamment le fait, Laurent, rappelons-le, toutes les personnes sur place, toutes, avaient dû faire un PCR et rentrer un certificat PCR. Oui, exactement, rentrer un certificat PCR qui te donnait droit à avoir un QR code qui pouvait être désactivé à tout moment s'il y avait un problème et que tu ne pouvais pas rentrer sur le circuit, qu'il fallait montrer le QR code aussi bien en rentrant qu'en sortant. Après, le protocole sanitaire, il faut aussi dire qu'il a évolué en cours de semaine. Si on prend l'exemple, en début de semaine, vu que tu avais moins de monde en salle de presse et que les gens étaient suffisamment espacés, que tu avais personne en face, personne à côté, si tu étais tout seul devant ton ordinateur et que personne discutait avec toi, tu étais autorisé à ne pas avoir le masque constamment. Et c'est un protocole qui a vite évolué. Il a fallu que tout le monde garde le masque constamment, même en salle de presse et même quand tu étais tout seul. Et tout le monde a joué le jeu. De toute façon, si ce n'est pas ça, il n'y a pas de course. Ouais, on est bien d'accord. Et alors, du côté des commentaires aussi, je tiens à saluer, et vous êtes nombreux à le faire aussi, on remercie nos complices également, Ben et Vinvin, dans ce cas-ci, Benoît Galland et Vincent Fransen qui étaient avec nous, et vous avez tout à fait raison d'ailleurs de souligner leur travail aussi. Bah, on a accumulé les heures. Deux duos, on a fait, je crois, une quinzaine d'heures, ils en ont fait une douzaine aussi, quand on compte le temps avant, le temps après. Donc, ça a été vraiment une très longue course. Alors, Maximilien Cadieux demande, Laurent Mercier, vu que tu étais sur les deux courses, faut-il plus ou moins de personnes à Spa par rapport aux 24 heures du Mans? Alors, j'imagine qu'il parle de l'organisation. Est-ce qu'il y a une différence? C'est difficile à dire, ça. C'est difficile à dire. Maintenant, je pense que c'est sensiblement similaire quand même, parce que tu as quand même à peu près le même nombre d'engagés, grosso modo. C'est quand même une course importante. Et franchement, je pense que le paddock, on a vécu, moi j'ai vécu, parce que toi tu étais l'autre côté au Mans, mais j'ai vécu le paddock du Mans et le paddock de Spa avec le même nombre de personnes que tu croises. Quoi. Ouais, c'est difficile en plus, de répondre. La différence, c'est que à Spa, là, tu avais quand même les séries support qui étaient dans le même paddock, contrairement au Mans où par exemple le Road to Le Mans était un petit peu plus loin. Oui, Pierre Chaudoire, alias Chouchou, qui nous dit « Des 24 heures sans l'arbre qui tue, ce sont de drôles de 24 heures ». On est effectivement bien d'accord, Pierre. Mais voilà, par contre, et avant de rentrer, on l'a souvent dit dans le direct, mais on va le rappeler une dernière fois quand même, Laurent, parce qu'on a eu l'occasion justement d'en reparler durant cette semaine avec des teams, notamment, qui ont dit « Il était indispensable ». Que cette course ait lieu quelque part pour tout le système économique, pour tout le modèle économique des équipes professionnelles en GT, parce que cette course, pour la plupart des équipes, c'est aussi leur revenu principal de l'année. Exactement. C'est, je pense, comme les 24 heures du Mans avec les championnats ELMS et WEC, hein, c'est des championnats qui se montent autour des 24 heures du Mans. Ben là, le championnat GT World Challenge, ça se monte aussi en partie avec les 24 heures de Spa, qui reste quand même la plus grande course GT au monde. Donc, c'est sûr que le modèle économique, sans les 24 heures de Spa, je pense que ça aurait été compliqué. Ce sera de toute façon compliqué de par la situation actuelle. Mais je pense que il fallait qu'il y ait ces 24 heures de Spa. Oui, c'était très, très important. Alors, allons-y. Les sujets, vous êtes très nombreux, effectivement, à nous compter vos avis et notamment sur les 24 heures. Bah, merci hein, beaucoup. C'est vraiment très gentil. Apparemment, on a mis une couche d'humour de temps en temps. On a fait rire certains. Donc voilà, ça, c'est bien aussi. Alors là, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi les gens disent ça, franchement. Et Tanguy notamment qui nous dit quelle ambiance sur ce live des 24 heures. Vous quatre avez assuré le show, vous étiez tous bien en forme. Quel talent pour commenter et qu'à retenir 26 heures dans la course après. Le talent, je ne sais pas, mais on a bien ri en tout cas, ça c'est sûr. Et Thomas, on a raté le show de Vincent avec Francis Cabrel. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. Bon, en tout cas, on a essayé vraiment de vous faire vivre ces Total 24 heures de Spa au mieux. C'était important. Et c'est vrai que quelque part, et ça, Laurent, on l'a souvent dit, et je pense que dans le contexte actuel, c'est encore plus vrai que nature. Nous sommes des passionnés de sport automobile, hein, soyons francs. On ne vit pratiquement que pour ça. C'est ancré en nous. Par contre, quand on voit tout ce qui se passe autour, etc., il faut relativiser aussi, savoir que ce qu'on fait, on fait partie d'un spectacle, tout simplement.
simplement, hein, tous les acteurs de ce sport automobile. Pendant 24 heures, on a eu l'impression que tout était uniquement des chronos et des écarts et des rebondissements. Mais voilà, gardons les pieds sur terre et surtout faisons-le dans la bonne humeur. On est là pour participer à un chouette spectacle, d'ailleurs, et on est ravis en tout cas que ça vous y ait plu de ce côté-là. Voilà, alors on y va. On commence peut-être pour le premier débat qui a été lancé. C'est Maximilien, hein, qui nous disait, Maximilien Cadieux nous dit, alors si on commençait par parler des limites de la piste pour ces dernières 24 heures de Spa, les limites de la piste, allez, on commence par quoi, Laurent? Peut-être le début de la semaine, en tout cas des essais, où le premier point de départ, c'était quelque part, à part au sommet du rayon, on ne contrôle pas. Oui, exactement. À part le sommet du rayon, on ne contrôle pas. Forcément, moins de monde en équipe de direction de course pour la situation qu'on connaît. Donc, équipe réduite quand même si la sécurité devait être assurée. Mais on ne contrôle pas. On a décidé de laisser sortir les pilotes à leur bon vouloir, à part dans la partie haute du rayon, évidemment, où là, c'était quand même, enfin, où c'est jugé plus dangereux. Et on a pu voir ce que ça a donné en termes d'essais qualificatifs, en termes d'essais de nuit où. Moi, je maintiens qu'on a frôlé, on a un petit peu frôlé le drame quand même. On a utilisé un joker, hein, par rapport à l'Audi de Dries Van Thor qui était au ralenti et la Lamborghini qu'on a vu à l'image et qui passe en dehors des limites de la piste. Et on a vu aussi en Super Pole que les pilotes n'hésitaient pas à aller allègrement en dehors de la piste. Ce qui n'a plus de sens de par la balance de performance, de par la longueur du circuit et puis de par le sport. Et ça a été rectifié pour la course. Et écoute, en course, ça a été dans l'ensemble plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, pénalités. Maintenant, pour être totalement franc, je suis pas sûr que tout a été contrôlé de par justement l'équipe réduite. Mais bon, ça, c'est pas moi qui peux le dire. Je suis pas équipe, donc on a juste eu des limites qui n'ont pas forcément été signalées. Mais bon. Ouais, alors il y en a qui sont d'accord et pas d'accord. Évidemment avec ça, Laurent, mais la complexité, moi ce que j'ai dit à un moment, et ça je confirme, je persiste et je signe, clairement, de dire aussi, pour les commissaires de piste qui sont en bord de piste, qui étaient en plus en effectif relativement réduit, notamment à cause du Covid, distinguer, et en particulier dans l'obscurité, mais pas seulement, distinguer au rayon, à blanchiment, et s'assurer qu'une voiture a bel et bien quitté les quatre roues, repérer la bonne voiture, déterminer, oui, il y a quatre roues, il n'y a pas quatre roues, le bon numéro, c'est quand même un calvaire. C'était de ça aussi dont la direction de course avait peur, quelque part. Ouais, mais ça, tu ne peux pas contrôler, tu as raison. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas contrôler de nuit avec une course qui dure quasiment 14 heures de nuit. Comment est-ce que tu veux, en plus, comme tu dis, en équipe réduite, comment est-ce que tu veux être sûr de bien contrôler? Après, le problème, il est toujours le même. C'est qu'est-ce qu'on fait à court terme pour ces limites de la piste? Est-ce qu'on veut déjà faire quelque chose pour régler le problème? Ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas persuadé. Et maintenant, moi, je suis pas la solution, mais c'est une plaie du sport auto depuis des années. Ça s'empire. Donc après, je pense qu'il faut aussi voir avec le circuit, qu'il faut aussi voir avec les fédérations avant de taper plus bas. Oui, je suis d'accord. Les circuits, quelque part, finalement, Laurent, la question, et j'ai été distrait pendant ton explication quelques instants parce que je lis les commentaires en même temps, je vous avoue, c'est pas simple, mais peut-être tu l'as dit, mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi l'outil, et sans blâmer personne, hein, loin de là, on comprend pourquoi ces dégagements asphaltés ont été placés à un moment pour des raisons de sécurité, etc. Mais dans une course comme les 24 heures, est-ce que l'outil, que soit le circuit de Spa-Francorchamps, que soit on a le même problème au Paul Ricard, on a le même problème à Dijon, on a le même problème sur des tas et des tas de circuits, est-ce que c'est pas l'outil finalement qui n'est pas tout à fait approprié pour surveiller? Est-ce que, comme certains le disent, et je vois Nicolas Gomard, et là je suis 100% d'accord, est-ce qu'on ne doit pas revenir tout simplement à mettre de l'herbe et du gravier? Mais à côté de ça, on a aussi, Laurent, des gens qui disent, si on remet du gravier, ça veut dire que lors de chaque sortie de piste, on va avoir une voiture plantée dans le bac à gravier, et chaque fois qu'un pilote quittera la trajectoire, on va avoir une neutralisation. Oui, ouais, ça je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce que tu n'as pas, je veux dire, on est capable de faire tout, on est capable de quasiment bientôt n'importe qui pour aller sur la Lune, on n'est pas capable de contrôler des voitures qui sortent des limites de la piste. Je pense qu'il y a suffisamment d'outils numériques pour essayer de trouver quelque chose. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Tu sais comme moi, tu l'as même toi vu, parce qu'on te l'a expliqué pour les caméras à Manicourt, qui est un système qui marche plutôt pas mal. Ok. Mais qui a le mérite d'exister, en tout cas. Qui a le mérite. Ouais, mais c'est très bien. On rappelle le système.
Peut-être juste pour les auditeurs, Laurent, qui ne connaissent pas. Manicourt, donc en fait, il y a un système de boucle de chronométrage qui se trouve juste à l'extérieur de la piste. Alors, l'intérêt, ce n'est pas de chronométrie en l'occurrence, mais c'est de capter le transpondeur qui est sur la voiture. Quand la boucle capte le signal du transpondeur, elle déclenche deux appareils photo, un en face et un sur le côté. Alors, celui de face, ça permet de voir où sont les roues. Celui sur le côté, ça permet de voir la voiture. Ça arrive sur un écran d'ordinateur, c'est facile. On dit oui, non, c'est correct, c'est pas correct. Ça, quelque part, ça doit être possible de mettre en place. Manicourt, ils ont ça à deux endroits. Brandsatch a un système similaire également. Ouais, mais ça, je pense que oui. Et je pense que maintenant, avec les outils numériques dont on dispose, alors tu vas après, on peut me dire ah oui, mais ça va coûter cher. Oui, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, je trouve que c'est quand même pas normal qu'en 2020, on soit pas capable de faire un système qui fasse qu'on puisse contrôler des voitures qui sortent des limites de la piste. Est-ce qu'il faut mettre des capteurs sur la piste? J'en sais rien, mais il doit bien y avoir un moyen quand même pour contrôler quand même. Je veux dire, on n'est pas au 15e siècle. Tu vois, ouais, je suis assez d'accord, il y a des capteurs. On est quand même capable de contrôler 70 voitures ou 80 voitures par GPS. En instantané, on n'est pas capable de contrôler les voitures qui sortent des limites de la piste, sans forcément aller dans des bacs à gravier et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, si on a un système qui dit voilà, si vous sortez, vous êtes pénalisé, là, ok. Mais à un moment, on parle souvent de tennis aussi, Laurent, puisqu'on voit en tennis, il y a des aides numériques notamment pour analyser si la balle était correcte, si elle a touché ou pas la ligne. Comment est-ce qu'un système comme ça n'est pas possible sur les circuits? Ça, moi, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, ce que je te dis, c'est que je comprends pas qu'en 2020, pour moi, on ne peut pas se donner la peine tout simplement de trouver un bon système. C'est peut-être excessif comme avis, mais il y a forcément quelque chose. On peut travailler sur quelque chose. Il y a déjà eu des pistes de travail, notamment en Porsche Super Cup, avec une caméra et tout, mais qui était sur la voiture et tout. Mais il y a rien qui sort du chapeau. Rien. Et pour le moment. Et il faut dire Thomas aussi qu'on a tout le monde a critiqué le directeur de course pour les essais à Spa. Faut pas oublier quand même que vendredi à Portimao pour la F1, il y a eu 212 annulations sur toute la journée du vendredi en Formule 1 quand même. Avec 20 voitures. La piste. Avec 20 voitures. 212 annulations de chrono. 212 annulations de chrono. Qui veut dire que le problème. Mais le problème, il est régulier, Laurent. On commente ensemble le GT World Challenge Endurance, notamment au Paul Ricard. On sait que chaque année, au Paul Ricard, on a des problèmes de limite de la piste. Il y a des circuits où c'est vraiment très, très régulier. Et c'est vrai que quelque part, j'ai tendance à dire à chaque fois, et je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est un peu le cancer du sport automobile pour moi, parce que c'était vraiment un problème qui est en train de grossir, qui nourrit. Le sport automobile, je pense, Laurent, doit rester dangereux. Alors quand je dis dangereux, ça ne veut pas dire qu'on doit aller se blesser, évidemment. Ça ne veut pas dire dangereux pour les pilotes, mais ça veut dire que le pilote qui commet une erreur, quelque part, doit perdre du temps et se planter dans un bac à gravier fait partie du danger de celui qui prend des risques et celui qui prend trop de risques. Et bien voilà, et c'est quelque part, c'est ce qui fait la beauté. C'est un pilote qui flirte avec les limites et qui ne les dépasse pas. Exactement, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on a dénaturé la plupart des circuits avec ces espèces de grands parkings où il y a du goudron partout. Ces circuits ont été dénaturés. Et je veux dire, si tu vas sur un circuit aux États-Unis comme Road America, si tu vas à Road Atlanta pour Petit Le Mans, ben, si tu sors, c'est la correctionnelle, parce que si tu sors, tu n'as pas d'asphalte, tu as le mur. Et est-ce que ça pose problème? Je veux dire, à combien on roule en Formule 1 dans les rues de Bakou? Ouais, ça, c'est hallucinant. On parle d'un circuit en ville. Donc, Monaco, encore un côté historique. Mais c'est vrai que t'as le côté historique. Donc, on vient nous les casser pour des limites de la piste, pour des dégagements asphaltés. On est capable de rouler à 370 entre deux rails à Bakou. Ou 360, ou je ne sais pas combien. Émeric Maillet nous dit, si on ne veut plus avoir de problème concernant les limites, il faut mettre de l'herbe comme à l'ancienne, il n'y aura plus aucun souci et en plus ça nous permettrait d'avoir plus de spectacle. C'est vrai pour la notion de spectacle, Laurent, mais il ne faut pas oublier que les circuits tournent aussi avec des track days, tournent aussi avec d'autres événements, avec des courses peut-être plus amateurs, où quelque part le dégagement asphalté est le bienvenu. Ouais, les capteurs, essayez de trouver, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver avec du numérique? Alors, on va reprendre une question que tu aimes bien, Laurent, dans nos cafés Endurance Info, et c'est Philippe Godet qui la pose, et qui dit, ça coûte combien et qui va payer? On en revient au même. On en revient au qui paye. Là, après, qui paye, qu'est-ce que tu veux? Qui paye, là, il faut voir avec les fédérations et les circuits. Hein. Est-ce que c'est un argument de sécurité? Oui.
Oui. Alors, si les bacs à gravier sont un argument de sécurité, oui, ça c'est sûr. Et ben alors, il n'y a pas de question à se poser. C'est pas un système en plus que tu vas changer tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Si tu arrives à trouver un bon système sur le circuit, bah, tous ceux qui vont venir rouler sur le circuit vont en profiter. Oui. Et quelque part, là, il faut saluer, hein, du côté du circuit de Manicourt, notamment le système mis en place, qui n'est certainement pas parfait, mais qui a le mérite d'exister en tout cas et d'aider en grande partie la direction de course. Pascal Wittmer, on salue Pascal, qui nous dit « Des erreurs d'arbitrage arrivent dans tous les sports, comme le foot, cela fait partie du cirque et du charme. » Là, Pascal, je partage moins. Alors oui, ça peut faire des discussions de commerce et ça peut nous permettre d'animer des prochains Café Endurance Info. Mais quelque part, allez, si on aime le sport, on n'a pas envie non plus qu'il y ait des erreurs d'arbitrage. Non, mais... les moyens mis en jeu, les efforts déployés pour gagner une course. On se dit perdre une course pour une pénalité qui n'est pas appropriée. Alors, Laurent, je crois qu'on l'a dit à un moment pendant le direct, d'ailleurs, on a eu une voiture qui avait abandonné, qui a reçu un avertissement pour limite de la piste. Preuve quelque part aussi que le contrôle est de nouveau, on ne les blâme pas, bien au contraire, on est les premiers à dire que c'est très compliqué, mais que le contrôle par les commissaires, ben parfois il peut y avoir de la confusion et il peut y avoir des pénalités erronées, et c'est peut-être ça à tout prix que la direction de course voulait éviter dans ce cas-ci. Ben, on l'a vu à Imola lors de l'ouverture du championnat, hein, où on n'a pas pénalisé la bonne voiture. Et après je ne comprends pas le fait de pénaliser une voiture à 10h le matin alors qu'elle a abandonné dans la nuit. Nat Blin qui nous dit tu mets des gros boudins jaunes après les limites, ils vont pas tenter de casser la direction. Eh bien là, Nat, malheureusement, alors là, on sait que c'est un système qui a été utilisé à un moment, hein, les fameux gendarmes couchés, les sleeping policemen, comme disent les Anglais. On se souviendra notamment d'avoir vu une Formule 3 qui s'est envolée dans la parabolique à Monza. On a vu un prototype lors des 6 heures de Spa du championnat du monde d'endurance. Hein. C'était un prototype SMP qui s'est envolé également. Hein, une BR. On a vu des accidents, on a vu énormément de dégâts sur le châssis. Donc les sleeping policemen, ça a vite démontré ses limites quand même. Oui, tu étais avec moi, c'était à Misano notamment. Hein. On a vu des châssis un peu détruits à force de passer sur les bananes. Hein. Jonathan Albert qui nous dit, ils ont fait des essais au circuit de capteurs pour les limites de la piste au Rédion à Blanchimont. Ça fonctionnait, je ne sais pas pourquoi on ne les utilise pas à Franco. Je ne sais pas non plus. Alors je relis Anthony Copy nous dit si on en revient au bac et à l'herbe, la meilleure solution ne serait pas de généraliser les slow zones comme au Mans afin d'éviter une neutralisation complète à chaque sortie. Ça, on l'a vu souvent aussi, l'idée de slow zone. Laurent, est-ce que ce qui est possible au Mans sur un circuit de 13 km l'est aussi sur un circuit comme Spa-Francorchamps de 7 km? Et ça nous permettra d'ailleurs d'aborder un prochain sujet qui sera un prochain thème de débat qui sera les safety cars et les neutralisations de manière générale. Écoute, moi, ce qu'il y a en place est plutôt pas mal. Maintenant, une slow zone, on sait pourquoi aussi au Mans. Déjà au Mans, le circuit est quand même beaucoup plus long. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a mis des slow zones. Maintenant, bon, on a deux philosophies différentes. Hein. Chaque championnat a sa propre philosophie et du côté des CRO, on préfère le coursier l'eau avec après la mise en place d'un safety car. Ouais. Yves Clausen qui nous parle aussi d'un système sur la voiture comme sur nos véhicules personnels qui sonne quand on mord les lignes blanches via des capteurs électroniques. C'est vrai, on a des lane assist sur les voitures aujourd'hui qui vous permettent de capter les lignes blanches. Pourquoi pas, ça pourrait essayer. Ouais, mais c'est pas ce qui va te pénaliser. Tu vas le sentir toi, mais il faut aussi que ça pénalise, que ça remonte en direction de course. Ouais. On a Alain qui nous dit il y a eu des essais avec une boucle de courant qui était en fait une boucle de chronométrage dans le Rédillon mais qui n'ont pas été concluants. Mais là, il faut savoir que les teams plaçaient le transpondeur à différents endroits sur la voiture. Pour, par exemple, s'ils savaient que ça coupait en haut du Rédillon à gauche, ils savaient qu'ils avaient mis le transpondeur plutôt du côté droit de la voiture pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc peut-être que ça, mieux encadré, ça pourrait fonctionner évidemment. Pascal Wittmer, encore lui, nous dit l'arbitrage à l'ancienne, à l'humaine, doit rester. Des erreurs d'arbitrage existent en foot et c'est là fait partie du show et des discussions, donc de l'ambiance. Voilà, c'est un avis également. Stéphane Halleux nous dit, et là je suis complètement d'accord avec Stéphane aussi, il dit, quelles que soient les règles, les meilleurs finissent toujours par émerger. Et ça, Laurent, je voudrais qu'on rebondisse quand même sur une chose. On a vu des gens qui ont, donc le tour de la Super Pole de Raffaele Marcello qui a été partagé sur les réseaux sociaux, et certains qui ont dit, faire ça c'est facile.
Alors là, je veux dire, quand on voit le tour en caméra embarquée, à la limite où la prise de risque était, notamment lors du Speaker's Corner, enfin dans le Speaker's Corner, était même plus grande encore, je suis assez d'accord avec Stéphane. Quelles que soient les conditions, on voit encore les meilleurs, on voit sur, que les grands pilotes font la différence avec ou sans piste. Sur une super pole, tu parles, ou sur la course? Dans les Parce deux cas, la... mais non, là, on parlait de la super pole. Alors sur la super pole, pourquoi pas. Maintenant, bon, après, moi personnellement, j'apporte pas trop de crédit cette année à toutes les séances d'essai. Je veux dire, quand tu vois des voitures sortir, c'est auquel qui sortira le plus et auquel qui passera le plus près du mur. Maintenant, c'est pas un reproche parce que c'était autorisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, on peut pas dire que c'était quand même très très joli à regarder. Maintenant, je suis pas sûr que le meilleur gagne toujours en course. Déjà parce qu'il peut y avoir des erreurs. Déjà. Ça s'est déjà vu hein, dans tous les championnats. Donc, en théorie, c'est toujours le meilleur qui gagne. Maintenant, là, je suis un peu 50-50. Oui, on a eu des chronos surprenants en essai. C'est ça que tu veux dire? On a eu des chronos surprenants en essai. On a eu des chronos, bon. On ne citera pas de nom, mais c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, Laurent, de certains chronos. On se dit, là, par rapport à la hiérarchie qu'on avait l'habitude de voir, on a parfois eu quelques surprises. C'est pas tout à fait faux. Cédric Delfos nous dit, pour ma part, j'ai été assez impressionné par le calme, donc il était photographe, hein. J'ai été impressionné par le calme pour la gestion de cette édition très stressante pour les raisons que l'on connaît au niveau de l'organisation. Tout a été fait pour mettre les gens en confiance et avec un maximum de sécurité en salle de presse, par exemple. On en a vu tirer très très souvent à boulet rouge sur chaque décision qu'ils ont pu prendre ces derniers mois et les critiques fusaient à chaque news. Là, il faut pouvoir tirer un grand coup de chapeau car cela a été une réussite à tous les niveaux, ou presque, je trouve, des personnes qui travaillaient au nettoyage des locaux jusqu'au directeur de course, en passant par tous les niveaux de la pyramide. Alors, tout n'a pas été parfait, loin de là. Par contre, je rejoins quand même Cédric sur un point aussi. On avait annoncé une édition avec des drapeaux rouges sans arrêt parce qu'on était au mois d'octobre, parce qu'on allait voir l'automne à Spa, etc. Enfin, à Spa-Francorchamps. Laurent, finalement, on a eu une course qui... à l'exception d'une série d'accidents, et on en reparlera parce que c'est lié au full course yellow et au safety car, à l'exception d'une série d'accidents dimanche matin, on a une course qui a été finalement relativement limpide. Oui, on attendait de la neige, on n'a pas eu de neige. On attendait des drapeaux rouges, on n'a pas eu de drapeaux rouges. On attendait plein de feuilles sur la piste, on n'a pas eu de feuilles. On attendait du brouillard, on n'a pas eu de brouillard. Et non, la course a été particulièrement limpide. Alors évidemment, après, la plupart des abandons est dû à des accidents, hein, des sorties de piste quand même. Mais non, ça a été suffisamment, ça a été plus calme que ce qu'on aurait pu penser. Alors, je suis désolé de passer un peu du coq à l'âne, mais on revient aussi sur vos commentaires. Rémi Scora nous dit, la F1 elle-même commence à changer sur ce point. Zandvoort n'a pas été défiguré par son chantier, par exemple. Là où il y a 10 ans, ils auraient tout défiguré. Là, Rémi, je te rejoins à 100%. On l'a dit d'ailleurs, Laurent, quand on a commenté le GT World Challenge Europe version sprint à Zandvoort, où on a vraiment souligné cet aspect des choses. On a des échappatoires en asphalte qui permettent de contourner le bac à gravier avec de l'asphalte, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir de l'asphalte partout où les pilotes peuvent aller. Et donc, il y a une zone pour se rattraper sans pour autant pouvoir gagner du temps en sortant des limites de la piste. Oui, exact. C'est vrai qu'on en avait parlé quand on a commenté les deux courses de Zandvoort, et ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Alors, on a Philippe qui nous dit réponse réductive, mais bon. Alors, Philippe, si tu veux nous expliquer plus, vas-y. Mais on va prendre un peu plus de temps, alors, parce que il y a effectivement différents niveaux. Alors, il y en a qui disent une bande d'herbe de 1 mètre derrière le vibreur, puis un dégagement asphalté, puis un bac à gravier avant le rail. Le meilleur des deux mondes qui peut marcher aussi pour la moto. Alors, Rémi, très honnêtement, c'est une idée à laquelle on a déjà, enfin, dont on a déjà parlé. Il se fait que c'est un moment, ce qu'on a voulu faire, Laurent, avec de l'herbe synthétique qui était un peu glissante, qui s'appelait l'AstroTurf. Notamment, hein, et on s'est rendu compte en fait que quand les voitures arrivent vraiment en appui sur une zone glissante, et ça peut être de l'herbe ou ça peut être l'AstroTurf, ça peut constituer un vrai danger aussi là. Ouais, qu'est-ce que je peux te dire à part que l'AstroTurf pour moi c'est une belle merde, rien. Ça, s'il y a un truc que personnellement moi je trouve dangereux, c'est bien l'AstroTurf, surtout quand il pleut évidemment. Renaud Dufour, qui est donc le team manager du team HRT, qui nous dit « Quand on dépense 80 millions d'euros pour des bacs à gravier, on peut se permettre d'en investir quelques dixièmes dans des caméras qui peuvent aussi voir la nuit. » C'est un avis, Renaud, on prend note. Et voilà. Je
je reste convaincu effectivement que la solution doit aussi venir quelque part des fédérations et des circuits. Ça, on est d'accord. Tanguy Séverin qui nous confirme que Zandvoort s'est amélioré en gardant son esprit. Alors Thibaut Delven nous dit qui paye ? Ben, la F1. Émeric Maillet qui dit est-ce qu'avec les caméras on board des voitures dont les caméras sous le pare-choc on ne peut pas voir si les voitures dépassent les limites ou non? Alors là Émeric, je pense que selon l'endroit où est placée la voiture notamment, ça peut vite changer beaucoup, donc c'est pas si simple. Malheureusement. Sébastien Grépin nous dit concernant les track days, il faut penser à la Nordschleife où c'est vraiment deux circuits et j'imagine mal les promoteurs du circuit mettre des zones asphaltées. Oui, par contre, on sait aussi que la Nordschleife est probablement le circuit qui casse le plus de voitures en termes de track day où il y a le plus d'accidents. Mais voilà. Mais je suis d'accord, hein, dans l'ensemble. Je trouve que le débat, en fait, c'est ça, pour ça aussi qu'il est intéressant. Il y a vraiment des avis un peu dans tous les sens. Du coup, je suis un peu en retard sur vous par rapport à vos messages. Vous êtes très, très nombreux. On vous remercie à réagir ce soir. Nicolas Gomard qui dit full numérique, le moins cher et le plus simple. Ok, ça peut. Ça mérite également. Nicolas Schmitz qui nous dit je pense que si la 51 s'était un peu calmée et n'avait pas autant abusé des track limites, elle aurait plus que probablement gagné. Philippe Godet qui nous dit, et qui est aussi directeur de course, hein, qui nous dit en direction de course n'est pas un collège des commissaires sportifs. Quand on prend 40 rapports en 5 minutes, il faut parfois. Il faut le temps de gérer et parfois c'est trop tard. Enfin, on est d'accord aussi, Philippe, et on est souvent les premiers, Philippe, j'insiste, à défendre la direction de course aussi, où on ne s'en rend pas compte. Et ceux qui n'ont jamais été en direction de course, et on reparlera peut-être d'un problème safety car aussi après, on ne s'en rend pas compte à quel point il y a des informations qui viennent de partout, partout, et le nombre de problèmes à gérer en même temps est incroyablement compliqué. Romain Caténis qui nous reparle des gros ralentisseurs bien secs, mais si on en a parlé, hein, finalement ça constitue un danger et alors on va à l'envers. Les anciens vibreurs de Monza étaient bien mais dangereux. Alors Florian Simonin nous dit le problème des slow zones, c'est que suivant où tu es sur un circuit, c'est tout sauf équitable. Donc voilà. Ça, c'est vrai qu'on peut vite gagner ou perdre du temps. Hein, si vous attrapez une slow zone dans les Hunaudières, par exemple, aux 24 heures du Mans, et que 30 secondes après, votre petit camarade n'a pas la slow zone, c'est vrai qu'on peut vite gagner une dizaine de secondes. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas, t'as pas une solution qui est valide à 100%. Il y aura forcément un défaut quelque part, à un moment ou à un autre. Alors, Philippe Godet a un point qui est intéressant aussi, qui dit « Vous parlez de séries digitalement évoluées. » En Fun Cup, par exemple, on fait comment ou pour les séries plus amateurs, d'où effectivement, si on met des capteurs sur les voitures, ça peut coûter de l'argent. Donc ça, on peut tout à fait l'entendre aussi. Donc peut-être l'idée de caméra, on en revient à ce qu'on disait. Alors, on a Mini qui nous dit quand même un collier électrique pour les pilotes comme les chiens. Heureusement, on n'ira pas jusque-là. Alors, on parle des. Oh là là, vous mettez. Je suis noyé, les amis. Je vous avoue, il y a beaucoup, beaucoup trop de commentaires qui tombent dans tous les sens. On nous parle du final magnifique de Nick Tandy, clairement. On nous parle du fait est-ce que Rové est le meilleur team. On voit. Je vais mettre ça. On pourra en parler aussi juste après de l'équipe Rové. La pole, c'est bien, mais on a l'exemple de la 25 de Satellog qui est un tour le soir et qui est au top le dimanche, nous dit Jean-Luc, mais je ne sais pas dans quel cas. Oui, alors on nous dit aussi est-ce que le passement de la ligne est dû à une erreur de pilotage, un raccourci ou un évitement ? C'est vrai que le dégagement asphalté, ça permet aussi parfois d'éviter une voiture en perdition ou dans le cas d'un dépassement où on se loupe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, voilà, limite de la piste, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On nous parle de l'AstroTurf qui est bel et bien une patinoire, hein, c'est ce que l'on vous disait aussi. Yves Clausen nous rappelle, c'est compliqué, il faut des circuits qui sont pour la F1, pour le GT, pour la moto, la polyvalence est compliquée pour amortir un site, c'est vrai aussi, on est tout à fait d'accord.
John nous dit Brandsatch a installé les capteurs avec prise vidéo. Recherchez sur Google Brandsatch MSV Track Limit. Voilà, qui peut être une idée également de ce côté-là. On sait qu'à Brandsatch, il y a un système qui est relativement efficace, effectivement. Donc, pourquoi, après, la question, Laurent, c'est pourquoi est-ce que du côté de la fédération, on ne prend pas peut-être ce problème plus à bras le corps ? Alors, je pense qu'ils y réfléchissent, très sincèrement, depuis un petit temps déjà. J'en suis même à peu près certain, mais on ne nous a pas encore proposé des solutions, en tout cas, qui conviennent. Réfléchir, c'est bien beau, hein. Mais s'il faut attendre 20 ans avant que ça sorte, ça va être compliqué quand même. Alors, Pierre, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 10 ans, ou tu vois, 10 ans. Ouais. Le problème, c'est que ça s'est amplifié ces derniers temps. Maintenant, je pense que même si les pilotes veulent respecter, à un moment ou un autre, et là, en plus, le problème qu'il y a eu, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas pénalisé tout le monde. C'est parce qu'il y a quand même, tu sais comme moi, que les conditions étaient quand même assez glissantes, que tu avais quand même pas mal de pilotes en pneus slick, et que tu peux être amené aussi à dépasser quand tu glisses un petit peu, et que ce n'est pas forcément volontaire, et que tu essaies juste de te rattraper. Donc, si là, ce n'est pas pénalisé, tu ne peux pas crier au loup. C'est pour ça aussi que ce n'est pas facile. Parce que même si tu as des capteurs... parce qu'on a vu, on sait qu'il y a des teams qui disent « Mon pilote a dépassé les limites de la piste, mais vérifiez le secteur parce qu'il a perdu du temps, vérifiez... » Il y a ces discussions-là qui se font. Donc, quand Philippe Godet disait « Vous n'imaginez pas le nombre d'infos qui tombent en direction de course », ça, c'est vrai aussi. Où on a, par exemple, une info d'un commissaire qui dit « Voilà, je ne sais pas, moi, là, 363, pour dire un chiffre qui n'existe pas, a passé les limites de la piste, et le team manager de la 363 envoie un message en disant « Ah, mon pilote vient de dire qu'il s'était loupé, il a levé le pied, le directeur de course doit vérifier le secteur pour voir s'il a perdu du temps ou pas. » Bref, c'est très, très compliqué. C'est un sacré boulot. Hein. C'est pour ça que moi, je ne veux pas leur place. Hein. je leur laisse volontiers. Alors, Jérôme Priolo nous dit « Avec tous les sujets à aborder, votre émission va durer 6 heures. Vous avez l'habitude depuis ce week-end. » Non, on va essayer de se limiter à 1 heure environ. Maximilien Cadiou, Laurent Thomas, qui a gagné le concours de pronostics? Oh, sûrement toi, alors. On n'a même pas refait le compte, mais ça devait sûrement être toi. Donc voilà, je vois dans vos commentaires aussi, en DTM, il n'y avait pas de limite, il sortait moins large. Ce qui est vrai aussi, c'est que les DTM avalent beaucoup moins bien les vibreurs que les GT, hein, ce qui est aussi une des raisons d'ailleurs. Alors on a Benjamin Orlet qui nous dit « Ce que je trouve impressionnant, c'est le car control des pilotes pendant la nuit, car les conditions étaient changeantes, sec, bruit de pluie, et le tout très souvent en slick. » Ça, c'est vrai. Je trouve quand même, Laurent, dans l'ensemble, qu'on a eu le niveau de pilotage de la course est assez impressionnant. Alors certes, on a eu des accidents, et assez bizarrement, on a eu des accidents, parfois de pilotes hautement confirmé. Martin Tomczyk qui pulvérise une BMW à Blanchimont. Enfin, je veux dire, Martin Tomczyk, c'est un ex-champion DTM, ex-pilote Audi, pilote BMW, etc. On a eu Denis Lynn qui avait quand même été absolument fantastique jusque-là, qui pulvérise, en tout cas qui abîme fortement la Lamborghini au sommet du Raidillon. On avait eu juste avant Daniel Serra qui a quand même gagné les 24 heures du Mans en GT deux fois avec Aston et avec Ferrari, qui, Laurent, ça c'est quand même le sauvetage de la course, hein, on est d'accord, hein, Daniel Serra. Malheureusement, on ne l'a pas vu dans les highlights. Vous allez certainement nous dire que les highlights étaient beaucoup trop longs, nous sommes tous d'accord là-dessus, on ne va pas polémiquer, mais Daniel Serra qui fait un, je ne sais même pas, c'était un 360 degrés, qui fait une figure totale au sommet du Raidillon, on se dit, waouh, les pilotes pro aussi étaient à la limite, et là on en vient, et on va peut-être passer à ce sujet, sur le safety car. Pourquoi un safety car après un full course yellow? Certains estiment qu'on dénature quelque part la course parce qu'on casse les écarts. Laurent, je crois qu'il faut rappeler à quel point, avec ces GT de plus de 500 chevaux et des pneus qui refroidissent autant, à quel point le safety car est important. Exactement. À quel point le safety car est important. C'est pour ça qu'on commence par un full course yellow pour que les commissaires puissent travailler en toute sécurité dans la zone. Et les voitures, les pilotes roulent à 80 km/h. Donc 80 km/h, c'est pas non plus pour des pilotes qui roulent à plus de 250, c'est pas forcément quelque chose de très très important et très compliqué pour eux. Et après, une fois qu'on a travaillé, ben on regroupe le paquet pour relancer un petit peu. Et avant de relancer, évidemment, le rôle du safety car, c'est aussi d'avoir une allure assez soutenue pour que les pneus puissent remonter en température. Alors je suis pas sûr que ce soit facile d'être chauffeur de safety car aussi. Hein. À mon avis, on va peut-être en parler à Christophe Hamon, mais je ne suis pas persuadé que ce soit simple quand tu as tout le paquet derrière toi et qu'il faut que tu augmentes la vitesse, pour aller un peu plus vite alors que tu roules quand même avec une voiture de série. Je ne pense pas que ce soit, vu les conditions de piste qu'on avait le week-end dernier, je ne suis pas sûr que ce soit simple, mais ça permet de rechauffer un petit peu. Maintenant, tu ne rechaufferas pas les pneus comme s'ils sortaient d'une couverture chauffante.
C'est pour ça qu'après pas mal de relances, on a eu encore des sorties, parce que tu peux te faire piéger, parce que la piste, elle est bien à un endroit, elle n'est pas bien 300 mètres plus loin. Oui, c'est vrai, c'était vraiment très très difficile en tout cas, et je pense que, voilà, après... sportivement parlant, c'est sûr qu'en plus, ça relance tout le monde. Certains ont dit oui, ok, on a battu un record, on a 8 voitures dans le même tour cette année, mais c'est parce qu'il y a des safety cars, etc. Oui, d'accord, on a quand même eu tout un moment, Laurent. On a eu, parce que dimanche matin, on a accumulé, ça a été très haché dimanche matin, mais moi, j'ai vraiment été étonné. Le début de course, on l'a dit d'ailleurs dans notre relais, je pense, le samedi soir, on a eu un début de course, Laurent, qui s'est passé incroyablement bien, où on a eu très très peu de safety car durant les 12 premières heures de course. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'à la limite, il n'y ait rien du tout et qu'il y ait des écarts et qu'à 13h l'après-midi, là, le premier a 3 tours d'avance sur le deuxième. Là, alors ok, on se rapproche plus d'une course à l'américaine. Il faut rester dans le tour du leader le maximum. Tu vois, donc plus le temps passe et plus il faut que au petit matin ou même à midi, tu sois dans le tour du leader si tu veux espérer faire quelque chose par rapport à la stratégie. Ça, c'est clair. Mais maintenant, ça fait une fin de course suffisamment animée parce que tu es obligé de changer la stratégie, de faire un arrêt court, il faut respecter le relais de 65 minutes. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Moi, je trouve qu'on peut pas trop se plaindre par rapport à ça. Alors, selon vos avis, de manière générale, ceux que je vois pour l'instant, qui nous disent la sécurité avant tout, on est bien d'accord, et surtout la sécurité des commissaires avant tout. On rappelle quand même que le full course yellow permet de mettre tout le monde tout de suite à 80 km/h, de travailler directement sur la zone de l'accident, de tout dégager, et puis on fait monter en piste le safety car, on rechauffe les pneus et on relance. Nicolas Gomard nous dit full course yellow plus safety car, c'est le meilleur des choix. On rappelle quand même que Nicolas, c'est le champion âme en titre dans le championnat de France FFSA GT. De quoi il parle évidemment. Et qui était à Spa pour le GT4 European Series. Et qui était à Spa et qui a gagné en Ramcup. Voilà, Rémi Scora qui nous dit le safety car systématique après un full course yellow a le mérite de la cohérence et d'un process sans surprise pour tout le monde. Je suis assez d'accord, Rémi. Quelque part, quand on sait qu'il va y en avoir un derrière, on peut pas dire le directeur de course a avantagé l'un ou l'autre parce que une fois il en aurait laissé, une fois il en aurait pas laissé. On a eu quelques full course yellow très très courts, Laurent. Je pense que du côté de la direction de course, on s'est donné une règle. Alors, on n'a pas la durée exacte, mais on se dit si on a un safety car qui dure par exemple 1 minute, 2 minutes, là, ça vaut la peine de relancer. Un full course yellow, pardon. 1 minute, 2 minutes, ça vaut la peine de relancer sans safety car. Dès qu'on est plus loin, évidemment, c'est délicat. Ouais. On parlait de la chauffe des pneus. Il faut quand même savoir, Laurent, on a appris ce week-end notamment, que certaines équipes se placent volontairement dans les stands du bas pour repartir avec des pneus qui viennent des armoires chauffantes, qui sont encore à température, parce que la chute de température des pneus pour ceux qui sont dans les stands du haut est très importante, apparemment à 50 km/h. Les 45 secondes ou la minute pour traverser la pit lane fait dropper vraiment la température des pneus. Quand on connaît ça, on se dit 80 km/h sur la piste, c'est la même chose évidemment. Ouais, exactement. Et tout le monde sait qu'à Spa, on a une voie des stands qui est quand même assez longue. Hein. Si t'es comme était HRT dans les premiers stands, t'as une pit lane qui fait, je crois que c'est 994 mètres, quelque chose comme ça. Donc évidemment, c'est sûr que si t'es dans les stands du bas, tu peux dire que oui, t'as des pneus qui sont un peu plus chauds quand tu pars. Ouais, et on voit que c'est là, c'est important, évidemment. Alors, Christophe Calais nous dit, même la nuit, c'était très calme. C'est vrai, on a eu peu de safety aussi la nuit. C'est le matin que ça s'est enchaîné, les sorties de route, surtout à cause de la piste. Là, certains m'ont dit, on avait l'impression de voir du rallye, pratiquement, parce qu'il y avait une trajectoire. C'est comme en rallye, quand on mord dans les cordes et qu'il y a une trace, entre guillemets. Il y avait une trajectoire et on a vu, hein, Laurent, on le disait, Dennis Lind, on a vu Martin Tomczyk, on a vu Daniel Serra. Ralph Bohn aussi, hein, le tour d'après Daniel Serra. Daniel Alleman. Oui, Daniel Alleman plutôt, sur la Porsche Herbert. Daniel Alleman et qui a causé la perte de la Lamborghini Silver de Barwell d'ailleurs. Ouais. Et Benjamin Orlet qui dit « Les accidents pour moi après les safety cars, c'était simplement dû à un peloton groupé qui doit dépasser les moins rapides sur des trajectoires mouillées. » Là, Benjamin, je ne partage pas tout à fait l'avis dans la mesure où les accidents qu'on a eus n'étaient pas dans le cadre de phase de dépassement. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Les commissaires qui nous confirment que pour eux, le full course yellow leur permet de travailler. Tanguy Séverin nous dit « J'ai remarqué, chaque grande course a ses défauts. Pas les relais de 65 minutes maximum, c'est bof. Surtout quand un relais de 65 minutes maximum peut se finir avec passage dans les stands, arrêt et repartir comme a fait Laro. Nürburgring, je trouve détestable le temps
Et je n'arrive pas à afficher la suite du commentaire. Voilà, le temps dans les stands selon le temps passé en piste avant le relais. C'est vrai, on se l'est dit, Laurent, dimanche après-midi, quand on a vu le coup du Rover Racing, qui au niveau stratégie a été absolument génial, évidemment. On s'est dit, finalement, chaque règlement impose des stratégies différentes qui ne sont pas les mêmes. Et clairement, ici, le fait d'avoir ces 65 minutes, on en est arrivé à une situation où l'objectif, c'était de rentrer le moins longtemps possible au moment de repartir pour les 65 dernières minutes. Oui, exactement. Bon, tu connais mon avis sur le sujet. Moi, je ferai comme à Bathurst. Donc, je ferai comme à Bathurst. Moi, j'ouvre tout pour cette course. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est trop cher et tout. Il faut penser aux équipes, machin. Parce qu'évidemment, ce sera peut-être un peu plus la course à l'armement. Mais moi, perso, j'ouvre tout. Je ne fais pas le relais de 65 minutes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir tout? C'est-à-dire que tu t'arrêtes quand tu veux, quand tu n'as plus d'essence. Tu peux contrôler à la limite. Alors, je pense. On a une solution là, Laurent, parce que quelque part, avec les carburants. Mais voilà, oui, on avait des connecteurs de carburant. Quelque part, on peut faire une balance de performance aussi par voiture en disant telle voiture, vous avez le droit de remettre autant de carburant maximum et donc de vous connecter autant de temps. Et il y a moyen de contrôler ça quand même aujourd'hui, non? Il y a moyen de contrôler, ouais. Il y a moyen de contrôler. Il suffit que, quand même que les capteurs fonctionnent tous parfaitement. Ça, c'est quelque chose qui reste aussi à bien s'assurer. Mais bon, après, moi, je trouve que trop de règles tuent les règles et trop de règles rend les choses compliquées à comprendre pour le public. Ouais, et si on a toujours Renaud Dufour qui est avec nous, c'est vrai que son avis peut être intéressant sur ce point de vue-là aussi, lui en tant qu'ingénieur et je disais team manager tout à l'heure, pardon, autant pour moi, c'est évidemment ingénieur hein, sur la Mercedes numéro 4. Renaud, c'est vrai que, ben voilà, est-ce que aujourd'hui les 24 heures de Spa permettent quelque part aux meilleurs de gagner? On a eu la question d'ailleurs, Laurent, est-ce que ce sont les meilleurs qui ont gagné? Ça. On peut l'espérer, hein, j'espère, mais maintenant, sur une course comme ça, est-ce que c'est les meilleurs qui ont gagné? On sait que Nick Tandy a fait un boulot de malade, ça c'est clair. Je pense que le team a fait le boulot aussi, donc s'ils ont fait le boulot, c'est qu'ils ont gagné. Maintenant, et après, il faut aussi faire la différence entre le premier et le deuxième. Qu'est-ce qui a marché chez l'un, qu'est-ce qui n'a pas marché chez l'autre? Moi, plus le temps passe et plus ça devient compliqué de savoir quel est le meilleur pilote, quelle est la meilleure voiture. Ouais. Donc, par contre, au niveau balance de performance, on en parle souvent, Laurent. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, quelque part. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire, quelque part, on n'a pas entendu quelqu'un réellement se plaindre de la balance de la performance. Alors, ce qui est amusant, c'est que la seule remarque que j'ai eue, et ça venait pas de Lamborghini, mais c'est d'un fan de Lamborghini qui m'a dit « Oh, Lamborghini, clairement, cette année, ils étaient pénalisés en termes de balance de performance. » C'est quand même Denis Lynn qui a réalisé le meilleur tour en course et qui a battu le record. Voilà. Alors, on a des remarques. On avait eu Pierre-Yves Rozou hein, qui nous avait parlé, lui, de la complexité et surtout de ne pas remettre de gros vibreurs pour le danger que ça représente. On est d'accord. On salue Mathieu Jaminet qui est parmi nous ce soir. Merci Mathieu de nous suivre sur ce Café Endurance. Ben, on est ravis aussi, s'il le veut, Mathieu, et s'il veut donner son avis sur un point, les limites de la piste, par exemple. Florian Simonin nous dit, c'est vrai que pour expliquer toutes les subtilités du règlement à néophyte, il faut s'accrocher. Florian, je te confirme, Laurent et moi avons passé un peu de temps à imaginer le règlement, essayer de comprendre pour pouvoir vous l'expliquer et pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'allait se passer. On avait anticipé effectivement ce coup du Rover Racing qui fait un très long arrêt où on a dit ben là, quand ils vont repasser, maintenant ça va pouvoir aller beaucoup plus vite. Mmh. Là où, par exemple, du côté de l'équipe Saint-Éloi qui était en tête avant, à 80 minutes de l'arrivée, où là finalement leur arrêt très long leur a coûté très cher le dernier arrêt. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que là, ça devient une stratégie un peu différente. On l'a dit. Pierre-Yves Rozou qui dit à l'ancienne open bar, je suis d'accord. Voilà, peut-être que le système de connexion, hein, on vous rappelle que cette année, il y avait moyen de connecter les sucettes de remplissage, les tuyaux de remplissage à la voiture. Il y a des capteurs qui indiquent combien de temps le tuyau a été connecté, puisqu'en fait, il fallait avoir un minimum de 40 secondes d'arrêt, même si vous ne mettiez plus de carburant. Quelque part, Laurent, voilà, ça pourrait peut-être permettre de gérer la consommation des uns et des autres. Alan Cayet nous dit, pour la catégorie pro, être complètement libre sur les relais, temps de conduite, pourquoi pas, mais pour les catégories pro, il faut au moins des règles de temps de conduite. Ça, on est d'accord, ça n'empêche rien, la durée des relais de 65 minutes n'empêche en rien, Laurent, le fait d'avoir un temps minimum de conduite pour les pilotes amateurs dans le cadre d'équipage pro.
Non, non, tout à fait. Bon, après, tu sais comme moi que les équipages pro-am, il y en a quand même de moins en moins. Enfin, il y en avait de moins en moins quand même cette année. Les équipages am encore moins. Maintenant, non, non, ça n'empêche rien. Tu as de plus en plus d'équipages pro et de plus en plus d'équipages silver. Donc. Ouais. Renault nous dit, le problème du trop de règles est que l'on ne peut plus tout contrôler. La 98 a gagné la course grâce au fait qu'ils ont gagné un tour le dimanche matin après leur changement de frein. Mmh. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'en plus, il faut calculer aussi après avec l'arrêt technique. On n'a pas parlé de l'arrêt technique, mais tu as aussi un arrêt technique pour changer les freins durant la course. Et il faut faire cet arrêt d'au moins 4 minutes. Donc, ce qui rajoute encore un truc supplémentaire à expliquer. Ouais. Stéphane Perrin nous dit « La stratégie fait partie intégrante d'une course de 24 heures. Trop vouloir réglementer les pit stops enlève un peu l'essence de l'endurance. » Voilà, c'est un avis aussi. Hein. Après, on rappelle hein, cette règle de 65. Le but, c'était quelque part de rentrer dans le cadre d'une balance de performance. Comme on essaye d'équilibrer les performances des voitures sur la piste, quelque part, on essaye d'équilibrer aussi la durée maximale des relais. Est-ce que le système qui existe depuis quelques années maintenant doit évoluer? C'est une question, évidemment. Et je suis convaincu, Laurent, que du côté de SRM Motorsports Group, on se la pose aussi, hein, clairement, cette question. Tanguy Séverin qui dit « Est-ce que Rové ont été les meilleurs sur la fin ?» Oui, les meilleurs sur toute une course, je ne pense pas. Beaucoup d'équipages étaient excellents. Mais bon, mais gagner dans la limite des règles, n'est-ce pas se montrer le meilleur? C'est vrai que c'est exploiter les règles. C'est un peu la différence avec la F1. Enfin, je ne suis pas très, très calé en F1, mais en F1, tu as l'impression que tu as Mercedes et le reste du monde. C'est un peu ça en F1, non? Ouais. Alors que là, tu n'as pas une équipe contre le reste des équipes. Tu vois, quand on a fait le calcul pour faire nos chers pronostics, on est bien d'accord. Et enfin, tu vois, combien tu pouvais mettre d'équipage pour la victoire? 15, 20? Tu vois, donc c'est totalement différent après. Donc peut-être que le meilleur a gagné en fin de course. Maintenant, il y avait pléthore de favoris pour gagner cette course. Ouais, on est bien d'accord et on a eu des pilotes qui ont été impressionnants. Alors Anthony Coupi nous dit « Perso, j'ai du mal à me décider sur le pilote de la course. J'hésite entre Vervich et Tanguy. J'ai plus l'impression que Frédéric Vervich a été régulier dans un excellent rythme tout au long de la course, là où Tanguy a surtout été monstrueux en fin d'épreuve sous la pluie. Mais du coup, c'est lui qui a été décisif. Vous choisiriez qui ?» nous demande Anthony. Laurent, si tu devais désigner le pilote de la course. Alors par contre, c'est avec Tanguy, la différence avec Tanguy, c'est que Tanguy, lui au moins, on l'a vu tout le temps en fin de course. Fred Vervich, sur l'intégralité de la course, on a suivi. Fred Vervich, de toute façon, ça fait partie des meilleurs pilotes. Donc là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Mais maintenant, il y a d'autres pilotes aussi qui ont abandonné très tôt dans la course et qu'on aurait bien voulu voir plus longtemps. Je pense qu'un Thomas Prenning a été plutôt bon. Je pense qu'un Raffaele Marchiello, évidemment, a été bon, mais même si sa voiture a abandonné. Je pense qu'il y en a un aussi qu'il faut pas oublier, c'est Dorian Boccolacci. Qui pour moi était très bon par rapport à ce qu'il était censé faire. Lui, il était censé rouler en Lamborghini Super Trofeo à Spa, et en fait, il roule pas en Lamborghini, il se retrouve à faire les 24 heures de Spa sur une Audi officielle. Tu veux, alors c'est une belle histoire. Même, alors qu'il a quand même peu d'expérience en endurance, et moi perso, je trouve que ce qu'il a fait est quand même plutôt exceptionnel. Son avant-dernier relais a été très très bon. Le dernier peut-être était plus difficile, mais ils n'avaient pas changé les pneus non plus. Donc on ne sait pas très bien quel était l'état des pneus aussi. Et puis il n'est pas le cul dans une Audi comme Marcus et Christopher toute l'année qui font plein de championnats. C'est un élément, hein, parce que on a l'air malin derrière nos micros, évidemment, ou derrière nos écrans, à juger les performances des uns et des autres. On n'est pas toujours au courant de tout. Par exemple, je pense que sur la numéro 30, WRT avec Vaxivière, Marshall et Habsburg, ils ont eu un problème technique plus ou moins toute la course qui leur a pas permis de démontrer leur potentiel, où clairement on sait que ce sont des pilotes qui valent mieux que ce qu'ils ont montré. Et donc c'est facile de juger si on ne regarde que les chronos, évidemment. Alors, pour répondre, Anthony, moi j'ai été très impressionné par Fred Vervich dimanche matin quand il repart avec des pneus pluie et qu'il ne pleut pas ou presque pas, et qu'il parvient dans un calme olympien. On se souvient, ils ont échangé, je crois que c'était avec Marcus Winkelhock qui était sur la Saint-Éloque, ils ont échangé les positions deux ou trois fois. Et Fred Vervich, qui avait un pilotage, mais d'un calme olympien, alors qu'il était a priori avec les mauvais pneus à ce moment-là, pour ne pas détruire les pneus et pour pouvoir, dès qu'il a recommencé à pleuvoir, le faire. Ça, je dois dire, cette gestion-là, le calme à ce moment-là de Fred Vervich m'a assez impressionné. Denis Lind m'a vraiment beaucoup séduit. Dommage qu'il ait cette erreur au Rédillon, parce que je trouve sur la Lamborghini, il a été assez impressionnant. Après, il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y a des valeurs sûres. Raffaele Marchiello, hein, super pole et le début de course impressionnant. Maro Engel, qu'on a vu plusieurs fois. Lucas Stolz, toujours régulier. Enfin voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Le pilote de la course. Après, c'est sûr, voilà, on l'a dit, Tanguy pour sa fin de course, c'était impressionnant. Et puis, Laurent,
tandis pour son calme, quand la boîte de vitesse est en train de lâcher pendant les deux derniers tours. Je reviens avant de reparler de Tandy. Cédric Delfosse qui nous dit « J'ai plutôt été impressionné par Sergei Sirotkin sur la Ferrari SMP. Sa connaissance des GT3 était plutôt réduite par rapport à bien d'autres. » Je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Ouais, pour le peu que Sirotkin a d'expérience en GT3, je dois dire, il m'a assez impressionné aussi. Tandy, oui, qui est d'un calme olympien, Laurent, à tel point que quand on a entendu le bruit dans la voiture, on a d'abord dit « Tiens, il y a un problème. » Puis, on n'a pas vu le moindre signe de nervosité du côté de Nick Tandy. On a regardé les chronos intermédiaires, ils étaient normaux. On n'avait pas l'impression qu'ils perdaient du temps. Mais en même temps, il y avait ce bruit qui était assourdissant. On a même envisagé un moment en se disant, est-ce que c'est un micro qui est défectueux, tellement ça semblait surréaliste. Laurent, est-ce que ça, du côté de Nick Tandy, quand même, il faut avoir une sacrée gestion des nerfs, hein? Ouais, faut avoir une sacrée gestion des nerfs, mais chez Porsche, on est plutôt habitué à avoir des sacrés finishers aussi quand même. On se souvient de Patrick Pillet à Petit-Le-Mans en 2015, on se souvient de Mako au Nürburgring en 2018, on se souvient de Kevin Estraspa. Là, il y a Tandy, il y a Mathieu Jaminet aussi justement qui doit être là, qui est pas le dernier aussi. Chez Porsche, on a quand même affaire à des pilotes qui sont vraiment solides en fin de course et qui montrent aucune faiblesse. Hein. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une des forces. Après, je pense qu'il n'y a pas que chez Porsche, forcément, qu'on a des finishers, mais c'est vrai. Non, c'est que là, il y a des cas dont on se souvient. Tu vois, on se souvient tous de Petit-Le-Mans en 2015 quand Porsche a gagné au général. On se souvient tous du dépassement de Fred sur la Mercedes au Nürburgring en 2018. Là, on va se souvenir de Nick Tandy en fin de course. On se souvient aussi des relais de Kevin l'année passée. Donc, tu vois, il y a des relais qui marque maintenant. Tu prends un Raffaele Marchiello, tu prends un Maro Engel, c'est des mecs qui sont capables de faire la différence en tout temps et en tout vent. Oh, ouais, pratiquement, qui sont presque toujours là. On est tout à fait d'accord. Maximilien Cadieu qui demande, pour l'arrêt technique en GT World Challenge, est-ce qu'il est nécessaire de changer les freins de ces voitures? Est-ce que ça s'use plus vite sur les GT3? Parce qu'au Mans, c'est de plus en plus rare maintenant. Alors, sauf erreur de ma part, Maximilien, je pense qu'au Mans, on change aussi les freins. Ouais, on change beaucoup, on change aussi peut-être pas mal. Peut-être même, je me demande même si on ne les change pas encore plus que ces GT3. Mais je me rappelle avoir vu dans la pitlane du Mans des changements de freins, ça c'est sûr, à la fois des disques et des plaquettes, qui est une opération que la plupart font également. Yves Clausen nous dit « Les spectateurs regardent uniquement la beauté des autos, le coup de volant des pilotes et la performance des mécanos. Pour le reste, le spectateur lambda ne connaît rien, mais le principal, c'est l'intérêt qu'il porte à l'épreuve et au sport auto. » Je rebondis par rapport à ce que Yves dit. Est-ce que, quelque part, les règlements qui permettent de regrouper tout le monde, comme on l'a vu, est-ce que ce n'est pas la meilleure publicité pour la course? Ah ben, c'est sûr que ça fait le spectacle. Ça fait le spectacle, surtout avec les conditions de piste qu'on avait. Hein. Je pense que de toute façon, que tu sois pilote pro, silver, bronze ou ce que tu veux, je pense que vu les conditions de piste, je pense que les mecs, ils ont quand même plutôt pas mal assuré tous autant qu'ils sont. Hein. Ouais. Et je suis assez d'accord, je crois que c'est Cédric qui parlait de Sergei Sirotkin. Ouais. Je suis assez d'accord aussi avec Sergei Sirotkin. Quand tu vois le peu d'expérience qu'il en jetait, je pense qu'il a été plus brillant qu'Aléchine, qui avait un peu plus d'expérience l'année passée, que Petrov quand il a roulé en Mercedes. Et je pense que Sirotkin en GT, enfin, on l'a déjà dit dans le live, mais je pense que si je suis Ferrari, je commence à regarder d'un peu plus près pour le prendre. On est d'accord. Stéphane Perrin qui nous dit « Boccolacci en dernière laisse, c'est une grosse erreur de stratégie, c'est beaucoup lui demander pour son niveau d'expérience en money time ». C'est un avis, hein, Stéphane, mais c'est vrai qu'on s'est posé aussi la question « Pourquoi Niederreuther, qui n'est probablement pas le plus expérimenté chez Atemto, hein, où Drudi, Niederreuther, il roule principalement en Allemagne. Drudi a probablement un peu plus d'expérience des courses de 24 heures. On ne parle même pas de Wurwicz qui connaissait Spa et Spa mouillé sur le bout des doigts. Ça a été des choix. Après, de nouveau, hein, on n'est pas dans les équipes, donc on n'a pas tous les éléments qui permettent d'expliquer cela. Je crois que Wurwicz était sorti de la voiture il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on aurait eu le temps de le remettre? Je ne sais pas. Emeric Maillet nous dit « J'ai une grosse pensée pour la Mercedes 88 qui a quand même fait la pole, a fait un début de course monstrueux et qui malheureusement a dû abandonner suite à son problème mécanique. C'est vrai que dans le clan AK, on était dans le coup. Et alors, on a eu une remarque aussi de certains qui ont dit « Est-ce qu'on parle du fait que Timur Bogulavski a très très peu roulé, voire pas du tout, alors que Raffaele Marchiello et Felipe Fraga ont fait les 12 premières heures ?» Est-ce que là, Laurent, il y avait peut-être une optique championnat aussi? Bon, soyons honnêtes, Marchiello et Fraga sont probablement plus expérimentés que Timur Bogulavski. Je crois que ce n'est pas une...
injure de dire cela du pilote russe qui a 21 ans, si je ne me trompe pas, 21-22 ans, sont plus expérimentés. Mais c'est vrai que dans le clan AKSP, on a misé clairement sur Felipe Fraga et sur Raphaël Marchillon en début de course. Ouais, c'est vrai que tu as des points à distribuer au championnat à la 6e et à la 12e heure. Et que c'est sûr que Raphaël Marchillon et Felipe Fraga déjà connaissent bien la voiture et ont forcément un peu plus d'expérience. Maintenant, je pense que peut-être pas sous-estimer Boguslavski. Alors, c'est pas du niveau de Marchiello, certes, mais vu le peu d'expérience qu'il a, l'année dernière, il roulait pas en pro, mais l'année passée, il avait quand même donné satisfaction. Et je pense qu'il a vraiment manqué de roulage entre la fin de saison dernière et le mois de juillet. Mais bon, après, c'est sûr que ce sera un peu en dedans Marchiello. Hein. Sans Marchiello, c'est un extraterrestre, donc ça va être compliqué. Hein. Et Tanguy Séverin qui dit Daytona, quand je vois WRT faire rouler Hineken et Morad les 12 heures et puis Ventor et Bortolotti la deuxième partie de la course, car les points pilotes tombent à la fin, effectivement, tandis qu'à Spa il y a aussi des points après 6 et 8 heures. Alors Thibaut qui dit, s'il est si mauvais, comment AMG peut soutenir cet équipage? On rappelle, si mauvais, on n'est pas d'accord, sincèrement. On a vu, après il est... En étant moins expérimenté, il est peut-être moins régulier aussi. Tu connais la régularité, hein, Laurent, tu n'oublies pas. Peut-être moins régulier. Mais de là à dire que Boguslavski est mauvais, ça, je ne suis pas d'accord. On l'a vu faire de très, très bonnes choses. Il n'est pas mauvais. Voilà, il y a eu un peu dans les deux sens. Il n'est pas mauvais. S'il n'y a pas Boguslavski, il n'y a pas de voiture. On est réglé. Ouais, on est d'accord. Olivier Gaspard qui nous dit le dépassement de Matteo Ciroli sur la Ferrari, qui était celle de Pierre Guidi, si je ne me trompe pas, en fin de course, était dantesque. On est... Tout à fait d'accord, Olivier. Un grand, grand moment. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Surtout sur Pierre Guidi. Hein. C'est quand même pas le pilote le plus facile à faire. Et c'était vraiment magnifique. C'est magique. Ouais. Pierre-Yves Rosou qui nous dit le grip des voitures sur les vibreurs dans la pluie, c'est dingue. Tout à fait d'accord, Pierre-Yves. On a vu des voitures monter sur les vibreurs dont on dit toujours qu'ils sont très glissants parce qu'il y a de la peinture. Alors, on sait qu'il y a... Pour avoir déjà eu l'occasion d'analyser un peu la chose, il y a une sorte de sable, en tout cas de matière dans la peinture des vibreurs Aspa pour que ce soit un peu plus abrasif. Mais malgré tout, je dois dire, c'était très impressionnant. Voilà. Alors, on va revenir sur un point qui me semble très intéressant, une très bonne question de Nicolas Gomard aussi, qui nous dit, on rappelle à Nicolas qui est donc champion AM en FFSA GT, champion de France GT, et qui est en lice pour être champion dans la AM Cup également de la GT4 European Series. Il est largement en tête du championnat avec Gilles Vanley. Nicolas Gomard qui nous dit, comment faire pour faire revenir ou faire venir des pro-AM et des AM, la question est plus que pertinente. Alors, Raphaël Van der Straten nous dit, pour un team amateur, tout ça est devenu tellement compliqué qu'il est plus agréable de vous écouter et de suivre l'épreuve de chez soi plutôt que de participer à cette course. Oui, bon, ça, c'est un point de vue aussi, Raph. Mais la réponse de Nicolas, est-ce qu'on peut faire revenir des pros AM et des AM, et comment faire pour faire revenir des pros et des AM? Faut que Nico appelle Stéphane Rattel. Non, mais je pense que justement, pour être sérieux, lors de la conférence de presse donnée par Stéphane Rattel, on a quand même senti que l'idée était quand même de remettre les pro-AM et les AM sur le devant de la scène. C'est aussi pour ça qu'on a créé la GT Rebellion Series, qui est un nouveau championnat qui va avoir le jour l'année prochaine sur des courses de 3 heures réservées aux gentlemen. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, les gentlemen, tu discutes avec 80% des gentlemen, ils te disent tous... ça va vite, quoi. C'est compliqué. Tu vois, autant tu as des pilotes, des gentlemen qui ne veulent pas faire le Mans parce que si tu le fais en GT, il faut que tu regardes dans les rétros toutes les 3 secondes voir si tu n'as pas un proto qui t'arrive dessus à Mach 2. Et là, les gentlemen commencent à se dire, ouais, mais il y a beaucoup de pros, il y a beaucoup de voitures et ça devient compliqué de prendre du plaisir. Tu avais quoi, 3-4 voitures AM cette année. Donc les AM, ça devient vraiment très très dur. Si tu n'es pas un AM éclairé, ça devient compliqué. Donc je pense que là, l'idée maintenant, c'est vraiment de remettre les AM dans des championnats qui leur vont bien, qui soient un championnat un peu plus relevé que l'était le GT Sports Club. Et là, avec des vraies courses, avec des vrais contrôles techniques, avec tout ce qu'il faut autour, avec tout l'encadrement, et pour que les AM se sentent aussi bien et puissent aussi être devant. Parce que le problème des AM aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent plus être devant. Ce qui n'était plus le cas en 2011. C'est-à-dire, en 2011, une GT4 est terminée 20e ou 21e. Tu vois, et ouais. Là,
Là, c'est plus possible. Est-ce qu'il faut revenir ? On a vu passer un message de certains qui disent est-ce qu'on ne devrait pas créer une catégorie GT4 pour Léa, mais introduire une catégorie non. GT4 ? Non, à Spa ? Mais c'est une question. Non, pas quand tu as 57 voitures en GT3. Ça allait bien en 2011 parce que c'était le début, les GT3 allaient moins vite. C'était pas le début de la catégorie parce que ça a commencé en 2006. Et c'était le début du championnat Blancpain Endurance Series. Tu avais quand même beaucoup moins de voitures pour la gagne, beaucoup moins d'équipes qui n'étaient pas aussi affûtées que maintenant. Et là, tu pouvais te permettre d'avoir quelques GT4. Tu vois, il y a quelques années, on avait bien encore des Cups, des Porsche Cups. Du coup, on a arrêté de mettre des Porsche Cups. Ça sert à quoi d'avoir 3 Porsche Cups parmi 55 GT3 qui vont beaucoup plus vite? Si tu avais 30 GT3, pourquoi pas, mais pas quand tu en as un entre 55 et 60. Alors, on a Lucien Renard qui nous dit. C'est dit un peu sèchement, mais on a dit qu'on ne contournerait pas les questions, donc on va la prendre aussi. Lucien nous dit, Rattel veut l'argent des AM et le prestige des pros. Et ? Je ne sais pas. Je relève le commentaire. On en revient toujours pareil. Qui c'est qui paye ? C'est les AM. Qui c'est qui peut payer ? C'est les constructeurs, donc pro-AM. Ouais. Et puis, Spa ne serait pas Spa s'il n'y avait pas aussi au niveau de le côté... Le côté prestigieux, effectivement, pour reprendre le mot de Lucien, c'est aussi le fait qu'on ait des pilotes officiels. On se rend quand même compte, on l'a dit, Laurent, je crois qu'il y avait, quand on s'est amusé à se dire, tiens, qui est-ce qu'on mettrait bien dans un top 5, on est arrivé, toi et moi, on était à quoi, entre 15 et 20 voitures, ouais. Sans aucun problème. Et sur ça, on était d'accord. Après, il fallait piocher les bonnes. Mais sur ces 15-20-là, on était d'accord sans problème. Quelque part, c'est ça qui fait la beauté aussi de Spa. Et des Total 24 heures de Spa. C'est clairement le fait, cette incertitude, on l'a dit. Et donc, quelque part, c'est vrai que si on met des AM, on revient à un système plus proche d'un autre championnat, enfin, ou d'autres championnats comme le LMS, par exemple, ou même le WEC cette année, où on a Phil Hanson qui est trop bon silver et qui casse tout parce qu'il est trop bon silver. En général, quand on a des pros, on tire tout le monde vers le haut, non ? Là, quand tu as 3 pilotes pros, tu peux t'en prendre qu'à ton équipage qui n'est pas bon. Là, tu peux pas dire, ah ouais, mais j'ai le silver ou j'ai le pilote qui ne va pas. Je veux dire, si Marcello Fraga roule avec Boguslavski, c'est parce que Boguslavski amène un budget. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la voiture. Donc, tu es obligé aussi de composer avec ça. Mais maintenant, quand tu as 3 pilotes platinium dans la voiture, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et des équipages avec 3 pilotes platinium, il y en avait quand même plus d'un. Alors, on va quand même vous quitter. Je crois que ça fait plus d'une heure qu'on est déjà ensemble. Notre pauvre François, à qui on a encore pris une soirée. On le remercie, François, merci, qui gère toute la partie technique. On va terminer rapidement avec la composition des équipages. Et puis, je pense qu'on vous laissera. Alexandre, qui nous dit, Audisport s'est tiré une balle dans le pied dès le début en retirant ses pilotes DTM. Plus Bortolotti, qui était malade, on le rappelle évidemment. Sinon, toutes les voitures auraient été plus redoutables. Quant à Mercedes, étonnant de leur part de ne pas avoir plus de voitures pro comme c'est le cas au Nürburgring, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on, surtout avec les 10 ans du Customer Racing, on aurait pu penser, après, je vais reprendre une question chère à mon ami Laurent, qui paye ? Thibaut Delven nous dit, est-ce que Vantour n'a pas été un peu en dedans par rapport à ses deux équipiers ? Donc, je pense qu'il parle de Lorenz. À chaque relais, il était assez lent et sa Super Pole n'était pas bonne. Je ne sais pas s'il y a eu un problème en Super Pole. Il y a eu des soucis, effectivement, pour Lorenz. Qui est peut-être pas dans son meilleur jour. Et encore, on n'a pas eu tous les éléments. Non, notamment Super Pole. Je veux dire, Super Pole, il y a eu un souci, ça on sait. On n'a pas su le quoi, mais on sait qu'il y a eu un souci. T'as beau pas être dans un bon jour en Super Pole, t'es pas à, je sais plus combien il était, à 2 secondes ou je sais pas combien, je sais plus, mais c'est sûr. 3 secondes et demie, je crois. Ou 3 secondes et demie, peut-être. Non, mais voilà, il y avait. Il y avait un souci, hein, clairement, sur la Porsche cette fois-là. On s'est même demandé à un moment s'ils n'avaient pas tenté le coup en slick, mais ce n'était pas le cas, semble-t-il. Donc, il y a eu un souci, on n'a pas su. Et finalement, ça s'est bien passé. Benjamin Orlé qui nous dit, avez-vous une idée du pourquoi un seul team en Honda, car elle va bien, et 2-3 bons équipages, ils auraient une bonne chance de victoire ? Non. Là, on est d'accord, on espère vraiment. Hein, Honda, quelque part, ça fait 2 fois qu'ils viennent à Spa avec des bons équipages. Ils font l'Intercontinental GT Challenge. Ils démontrent quand même, Laurent, que cette Honda NSX GT3, surtout depuis sa version Evo, est une voiture performante. On a envie de dire, on aimerait en voir plus des Honda, notamment en GT World Challenge. Ouais, Europe, en l'occurrence.
Ben ouais, on aimerait en voir plus. T'en as quelques-unes aux États-Unis, t'en as pas mal au Japon, mais t'en as pas beaucoup en Europe. On l'a expliqué maintes et maintes fois durant la retransmission. Hein. C'est une voiture qui est faite au Japon, même si elle est assemblée, enfin, elle est développée par JAS Motorsport en Italie. Mais t'as toute une histoire de taxes d'importation pour la voiture et tout qui complique un peu la donne et qui rend la voiture un peu plus chère que la concurrence. Et on n'a qu'une Honda et c'est sûr qu'elle est fiable. Elle a fait 3 départs aux 24 heures de Spa pour 3 arrivées. Ouais. Donc c'est une voiture quand même que je trouve très sympa bien. Au niveau du look aussi. Elle sort un peu du... Ouais, elle a son look. Par contre, soyons honnêtes, un peu comme on avait le cas avec la Nissan aussi, Laurent. Honda-Nissan, ouais. Ça fait peut-être pas rêver comme Ferrari ou Lamborghini. Ou Porsche. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai. Donc, voilà. Et McLaren aussi, hein, puisqu'on nous parle effectivement plus de McLaren aussi. On aurait dû en avoir plus, hein, des McLaren. C'était prévu d'en avoir deux autres. Il y avait tous 6 Motorsport et puis il y avait l'équipe Racing 59, l'équipe australienne, c'est ça? Ou 59 Racing, ouais. Je ne sais plus. 59 Racing. Et tous 6, ils devaient en engager 2, donc ça aurait dû faire 3 en plus. Ouais, donc là, ça aurait été sympa aussi. Et Stéphane qui nous dit, Stéphane Perrin nous dit, Honda n'a pas de stratégie, il perd plus d'un tour sur un choix de slick sous la pluie. Alors ça, c'est vrai, Stéphane. On a eu au moment où il a commencé à pleuvoir aux alentours de la mi-course, il y a eu 2 voitures qui ont perdu vraiment gros avec le choix des slicks. C'était, d'après les infos qu'on a eues, nous, c'est au moment où on est revenu après notre très courte nuit. Il y a eu la Honda. Il est resté, c'était Renger van der Zand, je crois, qui est resté en slick plusieurs tours sous la pluie. Et il y a eu la Bentley numéro 3 de Maxime Soulet aussi, où là, on a perdu clairement le contact avec la tête aussi. Ouais, exactement. Et oui, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi. J'ai vois le commentaire de Renaud Dufour. Voilà, tu viens de le voir aussi. Ouais, c'est ça. Donc Renaud qui dit, vous n'avez pas parlé du mec qui a volé tous les drapeaux bleus à chaque poste de commissaire. Très bon point, Renaud. C'est un point dont effectivement on doit parler. Ouais. Le respect ou le non-respect des drapeaux bleus par les voitures qui se font prendre un tour. Laurent, ce n'est pas la première année qu'on en parle. On avait vu, moi je me souviens, je crois 2015, d'une sortie de Lorenz Ventor dans des conditions un peu similaires à celles qu'on a eues cette année. C'est-à-dire, il avait plu et il y avait une seule trajectoire sèche et il était derrière Jelmer Buurman, si je me souviens bien, sur la Mercedes, Renault s'en souvient peut-être d'ailleurs, qui ne laissait pas passer à ce moment-là, clairement. Et en s'énervant, Lorenz Ventor était sorti au niveau du virage Paul Frère. Depuis lors, en fait, on l'a dit, Laurent, tu l'as dit, l'essentiel, c'est de rester dans le tour du leader. Ça veut dire que ceux qui vont se faire prendre un tour par le leader bouchonnent comme si c'était le dernier tour de la course. Là, d'un point de vue sportif, on a vu des trucs qui ne peuvent pas arriver. Non, c'était. Ouais, non, mais on l'avait déjà vu l'an dernier, on ne citera pas de nom, mais il y a un pilote qui avait bourriné tout le monde, qui avait clairement fait chier tout le monde d'ailleurs, on peut le dire, hein, on va parler franchement, en bouchonnant pour rester dans le même tour. Et je comprends que pour un pilote, quand tu joues une position et que le mec il veut pas se faire prendre un tour, que ça doit être un peu flippant et que tu n'as qu'une envie, c'est de le pousser. Et je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que c'est quelque chose qui a tendance à se développer. Et il y a du danger aussi derrière ça. Il y a du danger. Et dangereux. Et ça fausse la course. Enfin, tu vois, ça fausse le truc. Et je comprends que les pilotes ne soient pas contents. Tout ça pour rester dans le même tour. Ça, c'est clair. Donc, je pense que là-dessus, c'est quelque chose aussi sur lequel il va falloir travailler. On ne va peut-être pas attendre qu'on finisse de régler les problèmes des limites de la piste, parce qu'on va bien en avoir encore pour 10 ans. mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller quand même assez vite. Ouais, Florian Simonin qui nous dit la Honda était limite à un moment donné avec les drapeaux bleus. Je m'en souviens très bien, c'était dimanche matin, où la Honda effectivement bouchonnait. Ouais. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est quand les pneus sont venus pour la Honda, c'est elle qui s'est dédoublée face aux deux Audi, Saint-Eloc et Atemto. Ouais. Et puis elle était partie. Ok. Renault qui nous dit prendre un tour, ok, mais à 3 tours, c'est un peu différent. Ça, c'est vrai aussi. Il y a encore une différence entre ceux qui bouchonnent pour rester à tout prix dans le tour des leaders. Mais bon, quelque part, ils font tous leur course. Dépassé par le leader, s'il y a un safety, dépassé par le leader, qu'on se batte pour la 5e place, la 10e place ou la 30e place, ou la victoire en programme ou en silver, on est dans le même cas. Mais je suis assez d'accord. Là, il y a un point sur lequel il faudra faire attention. Et Mini qui nous dit collier électrique aussi pour le non-respect des drapeaux bleus. Alors, on va faire un collier. C'est un point, c'est un limite point de vue. De la piste, non-respect des drapeaux bleus. Ah. C'est un point de vue. voilà.
Alors, on a Cédric Delfos qui me dit, même après avoir terminé la course, le panda de la Mercedes 90, donc 90, avait toujours l'air aussi mauvais. C'est dingue, jamais content ces animaux. Voilà. Voilà, on voit que vous mettez de l'humour. Et c'est ce qui compte quelque part. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et je pense que c'est le cas. On a tous passé un bon moment avec ces Total 24 heures de Spa dans un contexte hyper, hyper particulier. Je pense qu'on doit être heureux. On a vu que malheureusement, le circuit a fermé ses portes au soir des 24 heures. Et donc, ça veut dire notamment que les Belgian Autumn Races, qui étaient des courses amateurs où il y avait de la Fun Cup, il y avait des deux chevaux, il y avait des C1, il y avait du BGDC, n'ont pas pu avoir lieu. Alors bon, par rapport à certains commentaires qui ont dit « bah oui, c'est ça, on a laissé jouer les gros et on ne laisse pas jouer les petits », je pense tout simplement qu'il faut voir une évolution aussi qui est, je ne sais pas comment c'est exactement chez vous en France, Laurent, mais c'est sûr qu'en Belgique, ici, on reparle d'un confinement dans les prochains jours. Enfin voilà, on est dans un contexte difficile, donc voilà, on ne va certainement pas aborder la problématique ici, confinement, pas confinement, mais c'est clair que c'est quelque chose et on regrette, croyez-le bien, on regrette vraiment que le circuit de Spa-Francorchamps ait dû fermer. Et je suis sûr que c'est le cas pour le circuit lui-même, hein, qui a un manque à gagner aussi, quelque part. Florian Simonin qui dit « on est d'accord, c'était une très bonne édition, comme chaque année en fait ». Christophe Potreau qui demande « qui a gagné les affiches ?» Ah, les affiches. J'ai complètement oublié les affiches. Aymeric, un mot pour les affiches à gagner ? Envoyer un mail à Thomas Bastin. Ah ben voilà. Non, lmendurance-info.com. Il va falloir trouver une solution. Merde. Même. Un concours, ouais. Mais on n'y a pas pensé. Philippe Godet qui nous dit « Merci Laurent, merci Thomas. À l'occasion, je vous invite à partager un moment au Race Control. Ce sera assez édifiant. Philippe, tu sais que j'y suis déjà allé et à quel point je sais que c'est difficile d'être en direction de course et que vous avez la multiplication des infos et la multitude d'infos qui arrivent vraiment de tous les côtés. On est tout à fait d'accord. Alors, on a une question de Julien Lévesque qui dit « Quand est-ce qu'on vous retrouve en direct tous les deux jusqu'à la fin de saison ?» Eh bien, on aura normalement… Enfin oui, on aura les deux noms, la finale du championnat de France FFSA GT les 7 et 8 novembre. Et puis, il y aura la finale du GT World Challenge Endurance Cup avec une course de 6 heures sur le Paul Ricard le 15 novembre, du coup. Voilà, pour le week-end des 14 et 15 novembre. On a eu certains qui nous ont parlé notamment de l'Intercontinental GT Challenge pour les commentaires. Bon, ben, pourquoi pas, peut-être un jour. Oh, toi, tu vas là, qui a l'ami ou à Bathurst en 2022, toi. Ah, j'avoue que j'en rêverais. Qui a l'ami et ou Bathurst, ça serait sympa. Mais pourquoi pas un jour, voilà, il faut espérer que le peloton va continuer à grandir. Continuez à nous suivre, hein, quelque part, vous êtes notre meilleure publicité. C'est évidemment parce qu'il y a de l'audience qu'on est là. Le jour où il n'y aura plus d'audience, on ne sera plus là. Donc, n'hésitez pas à partager et à faire en sorte, effectivement, que ce feed français, il faut quand même souligner hein, l'effort de SRO Motorsports Group, qui pourrait se contenter de faire uniquement un feed en anglais et qui décide malgré tout de nous envoyer sur les courses la plupart du temps et de nous mettre. Donc merci à eux pour leur confiance aussi. C'est vraiment grâce à eux. Je ne veux pas faire de pronostic sur un reconfinement. Non, Enzo, sincèrement, non. Tanguy Séverin qui nous dit en guise de conclusion, super plateau, super spectacle, super condition, épique. Oups, ça a disparu le commentaire du coup. Super commentateur, mauvais, highlight. Voilà, on ne se prononcera pas sur la question. Je sais que ça, vous n'avez pas tous été fans des highlights. C'est sûr que les highlights, on pourra en parler longtemps. Christophe Buchanan qui nous dit merci pour ce live, à la prochaine, en espérant prochainement un sponsor pour vos lives. Ben voilà, on l'a dit, si vous avez envie de faire votre publicité aussi via ces lives, de partager, de soutenir d'une manière ou d'une autre ces cafés Endurance Info, c'est vrai que ben, ça a toujours des coûts techniques notamment, pas mal d'investissements, pas mal de temps. Si vous avez l'occasion de donner un petit coup de pouce à Laurent, ouais, ben, ça serait sympa. Il faut payer des nouvelles savates à François aussi. On le remercie une fois encore, notre bon remercier. Alors j'ai Jean-Luc Brémond, j'ai vu la question passer déjà, je vais quand même la reprendre, qui nous dit avec une webcam dans les cabines, commentateur n'est-ce pas Thomas ? Eh bien oh ça là 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 là. Et là, si vous saviez, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant, parce qu'en fait, il faut savoir, vous avez peut-être déjà compris dans les commentaires, mais je reste rarement en place. Il faut une webcam avec un angle large, parce qu'on a un casque
Je ne l'ai pas sous la main, je voudrais bien montrer, mais on a un casque qui permet effectivement. Il est là, attends. Il y a un headset avec un micro qui permet de se déplacer. Et donc, je vous avoue que je bouge tout le temps. Voilà, clairement. On vit la course. Il est là. Voilà, un truc comme ça. Et on vit la course intensément. Donc, une webcam, ça pourrait être spectaculaire. Mais le vrai spectacle, c'est sur la piste qu'il n'est pas dans la cabine. Yves Clausen qui nous dit « J'ai aussi eu une pensée pour Christian Lahaye lors des commentaires live. » Eh bien, moi aussi, Yves, effectivement, hein, Christian, qui a été le commentateur des Total 24 heures de Spa, des 24 heures de Spa Francorchamps et tout, pendant tellement d'années, qui n'était pas présent cette année. Voilà, on le salue, Christian. Je crois que ce n'est pas un secret, hein, puisqu'il nous l'a annoncé lui-même aussi, il est malade, Christian, et voilà, on pense à lui. Je ne sais pas s'il nous suit, si vous avez l'occasion de lui dire en tout cas qu'on lui a remis toutes nos amitiés. Merci effectivement à Christian. Jérôme Priolo qui dit « Pour le financement de votre émission, pourquoi ne pas ouvrir un crowdfunding ? Je pense que les auditeurs vous aideraient. » Ben voilà, quelle idée. Mini qui dit « C'est sponsorisé par Café déjà, oui, Café Endurance Info en l'occurrence. » Voilà. Merci à toutes et tous. Laurent qui dit Laurent Le Ben qui dit merci à vous, quel bonheur de pouvoir suivre les courses en live. Il y a quelques années, nous n'avions pas tout cela. Ça, j'en suis bien d'accord. Et n'hésitez pas, on le dit, si on est là, c'est et gratuit. Et gratuitement. Et gratuit. N'hésitez pas à faire savoir à SRO que vous êtes content aussi. Quelque part, c'est pour vous faire plaisir et pour satisfaire tout le monde et pour augmenter les retombées que nous sommes là. Donc, faites-leur savoir si vous trouvez ça bien, vraiment. Voilà, Rémi qui nous dit qu'il est d'accord pour le crowdfunding, etc., etc., etc. Florian qui nous dit le café Endurance Info sponsorisé par Nespresso, what else ? Eh bien, Florian, si tu as des entrées chez Nespresso, on veut bien vous offrir le café Endurance Info par Nespresso. Ce serait sympa. Yann Glacé qui dit 100% d'accord, Thomas, de lever beaucoup en tant que tu bouges. Ah, oui, ça c'est possible. Je bouge un tout petit peu, hein, Laurent, toi qui me vois de temps en temps, non ? Oui, je confirme. Mais je peux pas critiquer. Je suis un peu pareil. Une fois assis, une fois debout, une fois assis, une fois debout. Une fois, il faut taper le rideau de douche. Une fois, il faut le retirer. Une fois, il faut le remettre. Enfin bon, tu vois. Allez, merci en tout cas. Merci à. Et on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de la Ferrari au Boto Racing. Tu nous en as pas parlé. Ah non, on n'a pas parlé de Boto Racing. Alors. Il a quand même pris la tête à un moment, deux fois. Mais. Et je t'ai vu. Et c'est bien d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de caméra à ce moment-là dans la cabine, parce que quand la Ferrari au Boto Racing était en tête, c'était l'euphorie totale. Tu exagères un tout petit peu, mais c'est vrai qu'on a rigolé du coup. On a rigolé un peu, effectivement, on a rigolé à plusieurs moments. Bah, on a rigolé avec vous tous d'ailleurs, et tous vos messages, on en a reçu, si je dis par dizaines, je pense que je suis largement en dessous de la réalité, c'est pratiquement par centaines durant la course. Et ça, c'était vraiment un pur bonheur. Maximilien qui dit « Retransmission TV gratuite avec de bons commentateurs et sans pub, que demande le peuple ?» C'est parfait. Bien voilà, on le signalera. Et n'hésitez pas à le souligner, effectivement. Nicolas qui dit « Longue vie aux 24 heures et à Endurance Info », on est bien d'accord. Merci vraiment, en tout cas, pour vous. J'ai souvent coutume de dire, Laurent, que je trouve qu'on est des saltimbanques, quelque part. On fait partie des. Mais soyons clairs, on fait partie d'un spectacle. On fait partie d'un spectacle. Nous sommes des acteurs d'un spectacle dont les acteurs principaux sont évidemment les pilotes et les équipes. Puis on essaye de participer. On est un peu comme la musique du film qui parfois met un peu de tension, met un peu de gaieté. Et voilà. Mais c'est vrai que vos commentaires, quelque part, c'est la récompense des saltimbanques que nous sommes. Merci à tous. On en fera encore, Laurent. On va essayer d'en faire d'autres des Cafés Endurance Info. Merci. Merci à François Mercy d'avoir encore consacré une soirée de son précieux temps pour nous accompagner aussi et pour faire cela très très bien. Merci à tous et je vous dis sûrement à très bientôt pour d'autres aventures sur Endurance Info. Laurent, porte-toi bien. Bye. Bientôt. Aussi, à bientôt. À la semaine prochaine. Ciao.